En France, plus de 14 millions de nuits d'hôtel sont vendues chaque année. Chaque client peut donc trouver un hôtel qui lui corresponde selon ses envies et son budget. Mais malheureusement, un quart des hôtels français sont classés vieillots, voire vétustes, et près d'un tiers sont au bord de la faillite. Chaque semaine, en France, un hôtel ferme ses portes. Et pour le gérant et son équipe, c'est la fin d'une aventure. Je m'appelle Philippe Etchebest. Je suis un chef 2 étoiles et meilleur ouvrier de France. Mais je suis aussi directeur d'un hôtel 5 étoiles à Saint-Émilion. Je gère au quotidien une équipe de 50 personnes avec une exigence maximum. Pendant un service au restaurant, j'ai 2 heures pour tout donner. Dans un hôtel, il faut être au top 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vais me rendre dans les pires hôtels de France. Au secours ! Je vais tester l'accueil et les prestations comme un simple client avant que vous ne veniez y passer une nuit. Vous savez ce que c'est ça ? C'est la piste, c'est l'urine. Regardez tout ça. Si j'ai accepté ce nouveau défi, c'est parce qu'aujourd'hui, l'hôtellerie est ma passion, autant que mon métier de chef. Et je sais à quel point c'est difficile. C'est à Aix-les-Bains, en Savoie, que j'ai décidé de me rendre pour cette première mission. Un des plus prestigieux hôtels de la ville rencontre de vraies difficultés. À la fin des années 60, M. Pira a décidé d'ouvrir un petit hôtel de 17 chambres pour les curistes. Très vite, son entreprise devient florissante et quelques années plus tard, l'hôtel compte 90 chambres et son nom est synonyme de luxe et de prestige. Mais les curistes désertent et cette immense demeure, affichant autrefois complet, reste vide. Ici, au manoir, on devient un peu des morts-vivants. Seul depuis 40 ans à la tête de son établissement, M. Pira n'arrive pas à séduire une nouvelle clientèle et règne en tyrant sur ses employés. Non mais attendez là, il suffit de lire là, c'est marqué 60 chaises. Allez, c'est bien comme ça. On pourrait envoyer nous-mêmes, on n'aurait pas besoin de vous déranger, monsieur. Alors là, il faut savoir si on veut faire du cinéma, de je ne sais quoi, il est là notre cancer. Incapable de faire confiance à son personnel, il est partout, décide de tout, pour tout le monde, quel que soit son poste. C'est un patron qui est dur, puis il va toujours vous dire c'est de votre faute. Monsieur Pira, il dit qu'il est responsable de tout. Non mais ça c'est totalement inadmissible. Quand on est responsable de tout, on est responsable de rien. L'hôtellerie est un métier d'exigence, chaque détail compte. Je serai intraitable, quitte à être leur pire cauchemar. Voilà, regardez, ça c'est normal. Non mais on va pas faire de commentaires. Hôtel 3 étoiles, monsieur. Hôtel 3 étoiles. Fous-moi ça à la poubelle, vite. Tu vas pas garder un truc dans ton frigo périmé. C'est un contrôle, bordel. On te ferme la boîte. On la ferme, la boîte. Quand on arrive jusqu'à là, moi je trouve que c'est pas normal. C'est pas la méthode hôtelière, mais c'est la méthode de monsieur Pira. Y a pas péril à l'en demeure. Mais bouffez-le. Mais prenez-le et bouffez-le. Vous avez tout ça à bouffer. Cet hôtel, tu es ma passion. Résultat, un hôtel en décrépitude, des employés fidèles mais totalement démotivés, des prestations de très mauvaise qualité et des clients plus que mécontents. Je suis arrivée, le premier soir, j'avais des draps percés. Oh, quelle horreur. De la revenir, on ne reviendra pas. Non. Monsieur Pira refuse totalement de se remettre en cause et si je n'interviens pas très vite, c'est une institution d'Aix-les-Bains qui risque de fermer ses portes. On va depuis ce matin et ça va pas. Bon, attendez. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Non, vous m'excusez là. Vous mais m'excusez. C'est moi qu'il faut excuser ! Aujourd'hui, ce n'est pas pour venir en aide à un restaurateur que j'ai quitté mon établissement. Cette fois, je m'attaque à un problème bien plus complexe, un hôtel. Je suis en route pour Aix-les-Bains, deuxième ville thermale de France. De nombreux curistes y viennent chaque année et doivent trouver un hôtel pour séjourner. Aujourd'hui, je me rends dans un hôtel 3 étoiles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses à gérer dans un hôtel que dans un restaurant. Je vais me présenter comme un simple client et je vais tout passer au crible. L'accueil, les chambres, le service. Bref, tout ce qui doit faire qu'un client passe un agréable séjour. Je m'appelle Pierre Pira. Je suis le propriétaire gérant de cet hôtel. Je vous laisse le journal. On a ouvert officiellement en 68. On avait quand même un certain espace, environnement de qualité. Donc on est passé en 3 étoiles. Donc établissement de luxe agréable. Cette maison, c'est plus que mon bébé, si bien que maintenant, mon travail, c'est 7 sur 7, 24-24. J'ai fait mon tour, comme je dis. Alors, je vais déposer des papiers chez la comptable.
Et puis après, je vais faire mon petit tour à la piscine. Oui, mais ça, vous voyez, c'est une fois de plus. J'ai pas visé, moi, ça. C'est pas prêt. Mon gros souci, c'est effectivement les employés. Il y a dans cette maison une certaine indiscipline. Faut le dire. Les consignes ne sont pas respectées. Personne n'est capable. Ce que j'attends de Philippe, c'est d'apporter des idées, de l'aide, en fait. J'ai pas d'appréhension, au contraire, parce que je pense qu'il peut que nous apporter du positif. Alors, on éteint les spots. Si c'était fait, j'aurais pas besoin de le faire. Ça, ben voilà, c'est 60 qu'il faut mettre. Non mais attendez, là. Non mais, il suffit de lire, là. Oui. Pour la réunion, c'est marqué 60 chaises. Oui, mais il est où le problème, monsieur Perrin? Le problème, c'est qu'on parle tout à l'heure, un peu dans le vide, c'est écrit-là. Mais elle a rappelé, la dame, elle n'a pas longtemps. Ah, elle vient de rappeler. Mais on ne peut pas être partout, tout savoir. Voilà. D'où toujours le bah fait. Oui. Voilà. Ah oui, il y a toujours des changements. Toujours. Il faut toujours être prêt à s'adapter. Je m'appelle Aïcha, je travaille dans l'entreprise depuis avril 84. Pour travailler ici, il faut une carapace solide et il faut une force de caractère. Monsieur Perrin, le patron, c'est quelqu'un de difficile. Monsieur Perrin, il check tout. Il y a peut-être des choses à débarrasser avant de faire le ménage, là, apparemment. Alors, est-ce que c'est un manque de confiance? C'est pas évident de savoir ce qu'il pense. J'espère qu'on pourra le changer. Qu'il pourra changer. Parce que c'est à lui de le vouloir. Je viens juste d'arriver avec Sléda. Une voiture va venir me récupérer. Mais je vais l'attendre. Enfin, ce qui aurait été bien, c'est que la voiture envoyée par l'hôtel soit déjà là. Changement de costume. Je vais déposer le tablier, mettre ma veste et aller chercher Philippe à la gare. Plus le temps passe, plus je trouve la plaisanterie de mauvais goût. Je suis arrivé depuis 20 minutes et personne n'est là. Bonjour. Bonjour. Aïcha. Aïcha, enchanté, Philippe. Merci. Je vous en prie. Philippe, il est un peu impressionnant, c'est normal. Hein. Moi, j'ai eu beaucoup d'espoir dans l'avenue du chef pour changer les choses. C'est assez loin d'ici? Non, c'est 5 minutes. Bon, ça va. Franchement, je suis bluffé. La bâtisse, c'est vraiment superbe. Très belle maison. Le jardin est plutôt sympa, l'environnement est très agréable. Par contre, il faudra m'expliquer qui est la personne qui m'observe comme ça. Étrange comme comité d'accueil. Il y a quand même un peu d'impatience à avoir un peu son avis sur la maison. Maintenant, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Bienvenue. T'as une sœur jumelle, vous? Non. Non, non. C'est vous qui êtes venu me chercher? Oui, 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 c'est bien moi. Vous faites la réception aussi? Enfin, je fais de temps en temps l'accueil. D'accord. Oui. C'est deux fois, ouais. Je suis une gouvernante polyvalente. On peut passer du ménage à la lingerie, aux chambres, à la navette. On peut faire l'accueil, on peut faire la cuisine, on fait le service. Est-ce que je peux avoir ma chambre? Oui, bien sûr. Alors, c'est la chambre 7. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Philippe. Pierre Pira. Enchanté, bonjour. Bienvenue. Vous êtes le propriétaire, c'est ça? Le propriétaire. J'ai pas dit l'heureux propriétaire. Le propriétaire. D'accord. Propriétaire gérant. Gérant directeur. D'accord. Assez polyvalent. D'accord. OK. Très bien. Bien. Ça va, vous avez fait bon voyage? Mais écoutez, j'ai fait bonne route, ça va, oui, pour l'instant. Pour la route. Pour l'instant, aussi. Oui, oui, ça y est, vous êtes arrivé, vous êtes.
bien arrivé. Bon, bon, bon. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, il y a de quoi voir. Je vais m'installer dans ma chambre si vous ne voyez pas d'inconvénient pour l'instant. Et puis on fera la visite après. On fera ça plus tard. Très bien. D'accord. J'attendais de faire la connaissance de Philippe, évidemment, avec une certaine impatience. C'est quand même un chef de haut niveau. Pour notre maison, il y a quand même un peu l'effet suspense. Hein. Que c'est un certain style. Oula. Là. Hop là. Oh, excusez-moi, madame. C'est quand même pesant comme ambiance. Cette moquette partout, là. Et... Bon, ça me dit pas où est ma chambre. Premier étage pourtant. 7, c'est premier étage, généralement 9 à 41, donc ce n'est pas là non plus. C'est peut-être de l'autre côté, c'est l'autre couloir. Mais non, pourtant c'est 12, 13, je comprends rien. 12, 13, 24. Qu'est-ce que c'est ce travail? 12, alors, 14, 23. 23, 14, 22. Marche pas, c'est sombre, on n'y voit rien. C'est stressant, cette ambiance, c'est étouffant. Bon. Alors, tiens, je profite pour m'asseoir, pour reprendre un peu mes esprits. Alors, réfléchissons. Donc là, on est 20-17. Ah, là-bas, on passe de 80 à 90. Là, il y a un gros problème, là. Je crois que je vais redescendre. Toutefois, si dans 2 jours on m'a pas retrouvé, s'il vous plaît, appelez les secours. Un hôtel de 90 chambres, si c'est pas fléché correctement, c'est pas possible. Et en plus, ça énerve le client. Chambre 1 à 8. J'y suis presque. Mais il y a aussi le garage. Courage, on va y arriver. Yes. Petite chambre, très chargée en plus. C'est un peu ringard comme déco. J'avais demandé une chambre double, parce que moi j'aime bien avoir de l'espace. Mais là, si on dort à deux là-dedans, là, je ne vais pas le croire. Oh, tiens, regarde. Un petit peu de poussière qui tombe des abat-jours. Excellent. Voilà, regarde. Scandaleux, ça. Ça ne devrait pas exister dans une chambre d'hôtel. Quelle que soit la catégorie, ça ne doit pas exister. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des fées. Ça tient par des clous et encore. Ah ouais, bien. Bien. Ça s'appelle un cache-misère. Hein? C'est juste là pour cacher des grosses taches. Regardez, voilà ça. Regarde. Allez. Et puis en plus, je risque de me piquer avec les clous. Regarde. T'as vu la tapisserie? Philippe est dans les chambres, donc je pense que là, il n'y a pas de souci. Il a une bonne chambre avec le balcon sur le parc, donc il devrait être satisfait de sa chambre. Au secours! Au secours! Oh. Ah. Il doit dormir là-dedans. Oh là. Je suis seul au monde. J'ai pas été voir la salle de bain encore. Hein. Je suis pas au bout de mes surprises. Alors. Ça faut toujours regarder, petit gobelet. Mais tiens, regarde. Super.
cheveux dans le gobelet. Je le laisse là comme preuve. En tout cas, on ne pourra pas dire que c'est à moi. Ça, c'est sûr. Oh là là, bien. Il y en a partout des cheveux. C'est une blague. C'est une blague, sans déconner. Ouais, gagné. Gagné. Et ça, je peux vous dire que ça fait un moment que ça n'a pas été fait. Eh ben, dis donc. Heureusement que je suis pas asthmatique, parce que je pense que je pourrais pas rester une seconde de plus dans cette chambre. Alors, si elle n'a pas survécu, moi, je me demande si je vais survivre. Moi, je laisse là. Oh, regarde. Petit savon de rechange. Je le laisse, on sait jamais, ça peut servir. Bon. Je reste sans voix. C'est vraiment pas le service qu'on attend d'un hôtel 3 étoiles. Moi qui suis client ici, ma première impression est déjà négative. Et dire que je vais rester une semaine. Après cette matinée très compliquée, j'ai juste un peu besoin de me détendre. Alors comme on est dans un hôtel 3 étoiles avec un complexe hammam, sauna et massage, je vais en profiter un petit peu pour me relaxer, me détendre, et j'espère surtout que ça va bien se passer. J'ai pas trouvé de peignoir, j'ai pas trouvé de claquette. J'espère que je vais trouver le spa. Pas par là, parce que j'y suis déjà allé. Je me suis perdu d'ailleurs. Je crois que c'était ma chambre. Salle de massage. Pour le coup, c'est bien indiqué. Suivons la flèche. Seul, je vais commencer par le hammam et je finirai par un petit sauna après. Pour le sauna, c'est raté, il fonctionne pas. Allez, le hammam, c'est pas mieux. Il n'y a pas de vapeur, il y a rien. Il m'a semblé voir jacuzzi quelque part. Et si je suis logique, ça m'étonnerait pas que ce soit derrière. Extraordinaire. Ce sera sûrement beau, hein, quand ce sera fini. Eh mais c'est un sketch, là. C'est scandaleux. À part la piscine, rien ne fonctionne. J'espère que les masseuses pourront me donner des explications. Sois en cours. C'est bon signe. Je vais les déranger. C'est pas grave. Ça commence à bien faire, c'est inadmissible. C'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Oh putain, j'ai pris le jus en plus, saloperie. Hein. Regarde-moi ça. Regarde ça. Ah, ça se barre en sucette. Non mais tu m'étonnes qu'il ait personne, le patron. Son hôtel est une épave. Il se fout vraiment du monde. J'en ai trop vu. Là, c'est juste inadmissible. Il n'y a rien qui fonctionne dans l'espace bien-être. J'ai pas de peignoir, j'ai pas de sandales. Je comprends absolument rien. J'ai froid, en plus, c'est inadmissible. Alors, je vais m'habiller, je vais retourner à la réception. Il faut qu'il me donne une bonne explication. Scandaleux. Rien de tel pour me foutre en pétard. Je m'appelle Viviane, je travaille à l'hôtel depuis 23 ans. Ma fonction est à la réception, c'est un métier que j'ai choisi, mais je le fais plus dans de bonnes conditions, parce que la maison ne nous donne plus les moyens de faire plaisir aux clients.
Moi, j'ai un petit problème. Oui. On est bien à Aix-les-Bains, oui. dans une ville thermale, oui. qui reçoit des curistes. Oui. Vous avez bien un établissement avec un spa. Oui. Oui, c'est bien ça. Pour l'instant, je ne me trompe pas. Pas du tout. Sauf qu'il n'y a rien qui marche dans votre spa, on est bien d'accord. Tout à fait. En plus, vous êtes d'accord avec moi. Il y a la moitié qui est faite, il y a les murs qui se cassent la gueule, c'est humide de partout. Voilà. Il n'y a pas de massage, il n'y a rien. Et je fais quoi, moi, voilà. ici ? Je pense qu'il est urgent de faire quelque chose, parce que c'est vrai que c'est difficile, fatigant de travailler comme ça, parce qu'il faut toujours être en train de s'excuser, de baisser la tête, parce qu'on n'offre pas les prestations adéquates. Et alors, en plus, j'ai pas trouvé de peignoir, j'ai pas trouvé de chaussons. Voilà, comment ça marche ? Alors, les peignoirs et les chaussons, c'est en supplément. Supplément ? Oui. En supplément de quoi ? 15 euros pour deux personnes. Vous rigolez ou quoi ? Faut que je donne 15 euros pour avoir un peignoir ? Oui, oui, monsieur, faut voir avec le directeur, c'est lui qui a instauré. Non, mais vous pouvez dire où se les met les 15 euros pour avoir un peignoir de plus ? Vous pouvez lui dire, de ma part, pour aller quoi ? Pour aller dans ce spa-là, ce spa merdeux ? Oui. Il n'y a absolument rien, il n'y a rien qui fonctionne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vos clients, qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, ils disent comme vous. Il n'y en a pas. Non, peut-être. Il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a, voilà. Ils font la même réflexion que vous. Je pense que nous ne sommes pas dignes d'un 3 étoiles. Et bien, vous le dites ça à votre patron ? Oui, je lui dis. Vous l'avez jamais amené, pris par la main et derrière le desk ? Non, parce que monsieur... Face au client, justement ? Non, parce que monsieur, s'il y a un problème et qu'on l'appelle, il ne vient pas. Ah, d'accord. Mais là, il a plus intérêt de venir. Je dois résoudre le problème moi-même. Hein ? Alors, je vais vous dire un truc. Oui. Vous avez bien intérêt à lui dire ce que je vous ai dit là. D'accord. Et surtout, qu'il fasse face au problème, parce qu'il va en avoir avec moi. D'accord ? D'accord. Alors, je vais m'arrêter là, parce que ça m'agace profondément. Mmh. Ça m'a bien énervé. Voilà. Alors, vous dites au restaurant que je vais venir manger dans 20 minutes. Tout à fait. Et par contre, qu'il n'y ait pas de faute, là, pour le coup. Parce D'accord. que ça va mal se passer. D'accord. D'accord ? À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai bien compris que c'était le chef, mais moi, j'ai l'habitude d'être face à des gens qui sont mécontents. Moi aussi, j'aimerais que ce soit tout bien et que, voilà, que tout aille bien et que le client râle pas. Pour moi, ce serait le paradis. Hein. Monsieur Pirat, il se sent un petit peu au-dessus de tout le monde. Il ne se rend pas compte que le client, il connaît tout ça. Le client, à la limite, il est à demeurer. Il est comme nous, quoi. Était très mécontent, je sais pas, parce que la piscine, il n'y a rien qui fonctionne. Tout est en c'est travaux. Quoi, le jacuzzi. Tout est en travaux, ça veut dire quoi, ça ben, je sais pas. Monsieur est venu, il m'a dit tout est en travaux, rien ne fonctionne. Voilà. C'est tout moisi, c'est. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a du moisi, s'il n'y a pas de moisi. Voilà. Moisi, mais ça n'empêche pas la piscine de fonctionner. C'est tout en travaux, je ne comprends pas. Il y a 9 jets qui fonctionnent dans la piscine. Le sauna fonctionne, le hammam fonctionne. Voilà. Pour information. Les gens, ils nous trouvent ridicules. Parce qu'entre des jets dans une piscine et un jacuzzi, ce n'est pas du tout la même chose. C'est, voilà, on dirait qu'il ne sait pas, ça lui. Mais il tient ferme à cette idée. Et vous ne pouvez pas le faire changer d'avis. Il va crier sur toi. Parce que moi, il est venu, il a crié très fort sur moi. Moi, je lui ai dit, ben voilà, c'est comme ça, c'est le patron qui est comme ça. Je lui ai dit, c'est comme ça, c'est le patron qui est comme ça. Moi, non. Non, mais c'est vrai, on y est bien. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le dîner va être sous haute tension. Depuis ce matin, j'ai rien vu de positif. Va falloir qu'ils assurent au resto. Je m'appelle Jean-Philippe. Je travaille dans l'établissement depuis 1996. Ma fonction exacte est assistant maître d'hôtel. Je gère que la partie restaurant. Je l'attends avec impatience et je vais faire en sorte que tout se passe bien au restaurant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je peux dîner ? Oui, bien sûr. Vous avez réservé une table pour moi, normalement. D'accord, très bien. Chambre 7 ? C'est ça. Oui, je vais vous dire avec moi. Choisissez celle que vous préférez. Je n'allais pas vous installer au fond, vous allez être tout seul. Monsieur, dame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, ben, ils sont où ? Et ils sont... Ils sont planqués ? Il y en a beaucoup qui ne sont pas venus. Je me demande pas pourquoi. Je suis fier d'avoir Philippe dans le restaurant parce que je sais que...
C'est quelqu'un qui va avoir l'œil sur tout et puis c'est son métier. Allez, on y va. Montrez-moi un petit peu ça, là. Abréger mes souffrances, là. Ah, vous avez eu des misères ? Non. Oh. Non, 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 du tout. Ah. La carte est plutôt bien faite. Il n'y a pas un nombre trop important de plats. Mais bon, en tout cas, on reprend des plats de la carte, on les retrouve dans le menu. Ça m'a l'air plutôt bien construit. Maintenant, on va voir si c'est bon. Vous avez fait votre choix ? Saumon confit à la scandinave. Saumon confit à la scandinave, c'est confit dans le sel, dans le sucre, avec des aromates. Ensuite, je vais prendre un petit rognon de veau. Oui. La graine de moutarde. Le rognon, monsieur, vous les avez comment à l'intérieur ? Rosé. Rosé, saignant ou après ? Rosé. Rosé. En tout cas, niveau accueil et service, Jean-Philippe est vraiment très bien. Un très bon point. Ce que je remarque quand même, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour les curistes. Un petit menu diététique, léger, pour les gens justement qui viennent faire les cures. Maintenant, les gens qui font les cures dans cet hôtel, à mon avis, ne devraient pas en avoir beaucoup non plus. Ça mériterait quand même un menu curiste. C'est vrai, oui, oui, vous avez raison. Alors là, je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de repas allégé. C'est vrai que ça manque beaucoup pour les curistes. Je me lève parce que je vous entends pas très bien. Si vous me permettez, je me rapproche un petit peu. Non, si j'ai bien compris, vous venez pas pour la maison. Enfin, pas pour les prestations de l'hôtel, en tout cas, parce qu'il n'y a rien. Moi, j'y étais, j'ai essayé d'aller dans le sauna, dans le hammam. Alors, voilà, le hammam, le sauna. Alors, la piscine, on voit que c'est quand même très vétuste, hein, les douches, les toilettes, c'est... Bon, pour un spa, c'est pas tentant. Bon, je sais pas si vous avez vu le mobilier des chambres. Le mobilier est moche et vétuste. Finalement, c'est cher pour ce que c'est. Et vous restez combien de temps ici ? Ben, 21 jours. 21 jours ? Oh, le calvaire. Ce qu'il y a, c'est qui ? Oh, c'était là, mais oui. Oh là. Oh la pauvre. Je vous dis ce que j'ai sur le cœur, mais je dois dire que le personnel est extra. Ils n'ont pas la vie facile. Je me rends compte de beaucoup de choses. Mais hein? Lui, on lui dit quelque chose, il n'écoute pas. Qui ça? Monsieur Pira. Le propriétaire? Oui. Bon, écoutez, je vous laisse. Merci pour toutes ces infos, en tout cas. Et puis, ouais, moi, je vais aller manger. Eh bien, alors, voilà. Merci, ouais. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Et puis, bon courage, alors. Hein? Elle en avait gros sur la patate, cette dame. Mais c'était intéressant. Bon, j'ai l'impression que, pour l'instant, les employés subissent beaucoup de la part de leur patron. Et ça, c'est vraiment dommage. Le saumon, il est prêt? Non, mais c'est bon, je peux aller. Tu as plus de saumon confit ou il y en a encore? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, donc on n'a pas le choix, c'est saumon fumé d'Écosse. Voilà, il n'y en a plus, on a tout fini aujourd'hui. D'accord. Pendant les services, je fais souvent le tampon, parce que bah déjà, il y a une mauvaise communication entre la salle et la cuisine. Alors, des fois, bon, bah, ça éclate un petit peu, mais je les comprends tout à fait. Eux, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne. J'ai un petit souci. C'est quoi le souci? J'ai plus de saumon confit, mais il me reste un saumon fumé d'Écosse. Un saumon fumé d'Écosse, eh bien allons-y pour le saumon fumé d'Écosse. La cuisine vient de me prévenir, voilà. Ah, ils viennent de vous prévenir maintenant, oui, hein, pour oui, le coup. Oui, maintenant. C'est pas un truc qui date de 10 jours. D'accord. Maintenant. Si ? Manque de communication. C'est pas de bol, ça tombe sur moi. Chaque fois, c'est pareil. Voilà. C'est prêt. J'amuse beaucoup sur cette assiette. Je m'appelle Fred, je suis chef de partie légumes. On a un grand chef qui vient manger. On a intérêt d'être bien en place. Et voilà, saumon fumé d'Écosse. Si y a un petit souci, vous me faites signe. Je vous appellerai. Petit souci. Alors, bah, salade de saumon, oui, bon ben voilà. Hein. Rien d'extraordinaire. Du basique. Du basique. Ça me plaît pas trop, ça. Il fait pâteux. J'ai une drôle de sensation en bouche. J'ai juste un petit doute sur le son. Je préfère le laisser, au cas où. On va assurer. La soirée n'est pas finie. Ça a été ? Ouais, je vais prendre la suite. J'apprends la suite.
Il en a mangé la moitié, mais il ne l'a pas fini. C'est pas à la hauteur. Monsieur Pirard ? Oui ? Le chef n'a pas été bien content du saumon. Ah ! Parce qu'on a la carte, on a marqué un saumon confit, et là, on sert un saumon fumé. Oui, mais c'est... vous avez expliqué qu'on a fini à midi. Oui, parce que... vous... c'est pour non, ça, mais c'est... vous voulez goûter le nôtre. Je vais aller le voir, lui expliquer. Oui. Désolé, mais j'avais bien prévenu, demandé à ce qu'on vous prévienne, qu'il n'y avait plus de bonsoir. Saumon... bonsoir. Il n'y avait plus de saumon confit maison. Et qu'on avait ce soir, puisqu'on a, on a fini au début de service, le saumon confit maison. Donc on n'est pas venu vous prévenir qu'on n'avait plus de saumon confit maison. Non, non. Bon. Bah non, c'est, là, la faute à, c'est la faute à qui? Bah écoutez, la faute à, je sais pas. Alors la cuisine et la salle, alors. C'est pour ça que je dis, j'aurais dû venir directement moi-même. Ce Pira, c'est un patron qui est dur. Il aime bien faire vous prendre en défaut quand il y a un problème. Il va tourner autour du pot et puis il va toujours vous dire c'est de votre faute, mais c'est jamais de la sienne. Ils sont incompétents. J'en sais rien, mais c'est un constat. Ils sont incompétents. Vous déplacez à chaque fois qu'il y a un problème. Ah ben. Donc pour moi, vous avez affaire à des gens qui ne sont pas compétents. Ah ben, j'en sais rien. Ben, il faudra peut-être le savoir. Parce ah ben, que oui, vous non, mais je... comme ça. Eh ben oui, c'est ça le problème. Ah, ben, ah, voilà. C'est le problème. Mais très on bien, est au cœur du problème. Eh ben, on va le régler. Eh ben voilà. Hein? Ben, si vous avez arrivé à le régler. Ne vous inquiétez pas. Eh ben, chapeau. On va voir la suite, s'il vous plaît. Voilà, merci. C'est bien ce que je pensais, que j'aurais dû venir directement. Oui, mais il fallait me le dire avant. Ah ben voilà. C'est le gros problème chez nous, voilà. J'ai vraiment l'impression qu'il veut se mêler de tout, mais finalement qu'il fait rien, qu'il balance tout sur ses employés, que c'est la faute de ses employés. Il essaie de la faire à l'envers. Il essaie de la jouer un peu languille, et j'aime vraiment pas ça. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai vu, la faute, elle lui revient. C'est lui le propriétaire, c'est à lui à assumer ses responsabilités. Et pour l'instant, il ne le fait pas. On peut dresser le rognon, s'il vous plaît. Ah. Ah, petit rognon. Allez, tiens. Petit rognon. Rognon rosé. Rosé. On est d'accord. Hein. Ah, rosé, j'ai demandé rosé. Ouais. Là, déjà, comme ça. Je peux vous dire un truc, ils sont pas rosés. Ils m'ont l'air plutôt à point que rosés au niveau de la cuisson. Ce qui est important, c'est, surtout le rognon, c'est un produit qui est délicat. S'il n'est pas frais, ça peut vite tourner au vinaigre. Ça sent la pisse parfois, l'ammoniaque, c'est pas très bon. Mais là, en tout cas, là, je le sens pas. Donc, c'est déjà un bon point. C'est toujours risqué de prendre des abats dans un restaurant. Il faut vraiment que ce soit très frais. Ça manque de saisonnement. Ils sont trop cuits, hein, de toute façon. On a dépassé le stade de la cuisson rosée. Le gratin est très bon. Il est bon, il est bien cuit, parfaitement cuit et bien assaisonné. Bon point pour le gratin. Globalement, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être un potentiel derrière. C'est du détail, c'est juste des petits réglages à faire. Ça vous a plu ? C'est pas mal. La cuisson ? Un petit peu trop cuit. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va ? Un petit plateau de fromage ? Plateau de fromage, non. Je vais prendre un petit dessert. Oui ? Avec plaisir. Il a mangé son rognon, il l'a bien apprécié. Donc là, je me suis dit, c'est bien. Mais quand je me dis que je vais amener mon chariot de dessert avec une crème anglaise, trois gâteaux, et puis des crêpes qui sont au chaud depuis 7 heures du soir, là, c'était un peu la hantise. Bon, allez, racontez-moi votre chariot, là. Alors, salade de fruits, ouais. Tropézienne, ouais. Croquant au chocolat, île flottante aux pralines, crème caramel et crêpe Suzette, façon toute fière. Et boules de glace, rhum raisin, sorbet de pamplemousse et menthe chocolat. Ouais, déjà, vous sorbet, j'ai pas envie d'en prendre. Hein. Vous avez vu la gueule qu'ils ont, hein. Des trucs comme ça, moi, je prends pas. Donc ça, vous pouvez emballer. C'est dessert maison. Tropézienne et chocolat, pas fait ici. D'accord. Je vais goûter un petit bout de tropézienne. Puis. Petite crêpe Suzette, toute chaude. Bah, allez, une petite crêpe Suzette. C'est fait maison, ça. Fait maison, ouais. D'accord. Et mettez-moi un bout de chocolat. Je vais goûter des trucs industriels quand même. Les desserts sont industriels. À 49 euros le menu, ça
ça donne pas trop envie de les mettre sur le buffet parce que je sais que ce que les gens y pensent. On va goûter. Bon ben. Ben, c'est une tropézienne industrielle, hein, comme on les connaît, hein, je veux dire, rien d'exceptionnel. Hein. Aucun intérêt, ça, la crêpe. Ouais. La crêpe, elle a un aspect bizarre. Elle est très molle, elle a pas de matière, elle a pas de texture, c'est bizarre. Je peux pas la manger, bizarre. Il me plaît pas. C'est dommage. C'est d'autant plus dommage que je sens qu'il y a des mecs qui savent quand même cuisiner malgré tout. Et je pense que là, pour le coup, ils pourraient et à la fois se faire plaisir et proposer autre chose que ça. J'en suis convaincu. Bon, là, je crois que j'en ai assez pour ce qui est de la table. J'ai besoin de voir ce qui se passe en cuisine. C'est juste pour vous dire que le chef va passer et qu'il est très en colère. Il n'y a pas de problème. Voilà. On est là pour ça. D'accord. On l'attend. Allez, prépare-toi, là. Il va nous mater, là, un peu, là. Le chef, là. Il va te mettre au pli, là. Allez. Bonjour, chef. Bonsoir, chef. Je m'appelle Philippe, ça fait 12 ans que je suis ici. Aujourd'hui, mon rôle, c'est chef. Bonsoir. C'est vous qui m'avez fait manger? Ouais. D'accord. Contentez-vous? Pour le saumon, ça, je m'y attendais, ça. Pourquoi? Parce que normalement, j'ai toujours du saumon mariné en mise en place, mais comme on a beaucoup de saumon fumé à passer... Justement, en parlant de saumon, là, je peux le voir, votre saumon, là, comment il est, là? Il est là. On peut voir un petit peu. Là. Il avait un petit goût pâteux, je trouve, le saumon, là, c'était... C'est vous qui... Ouais, vous l'achetez tout près. Ouais. C'est quoi ça, en cuisine d'entrée? Ah ouais, d'accord. Eh, hey, les gars. Ouais. Vous avez vu les dates, là? Oui. Le 4-3-2013. Oui. On est de combien? On est 7. Eh oui, on s'est voilà. Passé plus d'une semaine. Et vous m'avez servi ça? À moi? Chef. Bonsoir, chef. Je m'appelle Philippe, ça fait 12 ans que je suis ici. Aujourd'hui, mon rôle, c'est chef. Bonsoir. C'est vous qui m'avez fait manger? Ouais. D'accord. Contentez-vous? Pour le saumon, ça, je m'y attendais, ça. Pourquoi? Parce que normalement, j'ai toujours du saumon mariné en mise en place, mais comme on a beaucoup de saumon fumé à passer... Justement, en parlant de saumon, là, je peux le voir, votre saumon, là, comment il est, là? Il est là. On peut voir un petit peu. Là. Il avait un petit goût pâteux, je trouve, le saumon, là, c'était... C'est vous qui... Ouais, vous l'achetez tout près. Ouais. C'est quoi ça, en cuisine d'entrée? Ah ouais, d'accord. Eh, hey, les gars. Ouais. Vous avez vu les dates, là? Oui. Le 4-3-2013. Oui. On est de combien? On est 7. Eh oui, on s'est voilà. Passé plus d'une ouais. Semaine. Et vous m'avez servi ça? À moi? Alors, vous faites aux autres clients, déjà, c'est grave. Vous faites à moi? Chef pas. Cuisinier, vous croyez que j'allais pas le voir? On est bien obligé de le servir. Mais obligé de quoi? Ouais, mais on peut pas le jeter, c'est pas trop. Mais c'est... Si t'intoxiques quelqu'un, d'accord? Si t'envoies quelqu'un à l'hôpital, qui c'est qu'on va venir voir? C'est les cuisiniers. Ouais. Et ça va te retomber sur la gueule, parce que c'est toi qui l'as servi. Ça, c'est sûr. Alors tu réponds quoi à ça? Il fallait le passer, il y en a beaucoup, il faut qu'on le passe. Parce que quoi? Parce que le propriétaire, il dit, mais faut le passer. Voilà, parce que le propriétaire, il va dire un truc le jour où il y a une couille. Hein? Eh bien, il va dire, ah ben moi, je sais pas, moi. Moi, c'est mes cuisiniers. Et t'inquiète pas qu'il va se défaire du problème, et vite, hein. Parce que c'est vous qui l'aurez envoyé. Et alors, vous pouvez pas le dire, vous pouvez pas réagir. Parce que c'est grave, les mecs, là. Ah oui, on sait bien. C'est grave, on lui dit. C'est très grave. Le patron, il est au courant. On est gêné en tant que cuisinier, mais on reçoit des ordres par M. Perral, quoi, qui nous oblige à vendre la marchandise. Qui c'est qui gère la cuisine? Qui c'est qui gère les stocks? Qui c'est qui fait les achats? C'est le patron. C'est le patron qui fait les achats. Ouais. Mais qui c'est qui lui dit d'acheter des trucs? C'est pas le patron qui fait la cuisine, que je sache. Ah, mais c'est le patron qui achète, on ne demande rien. Hein. Vous ne commandez rien, non, c'est lui qui l'achète. Ouais, il achète comme ça, sans savoir ce qu'il y a dans les frigos, ni rien. Des quantités, ouais, non, c'est par centaines et dizaines de kilos. Attends, mais c'est par jour, ça. Ah oui, mais...
Mais c'est Barjo, là. Ah oui, mais nous, on commande rien, nous. Hein. On n'a pas besoin de commander, ça arrive tout seul. Vas-y, montrez-moi. Montrez-moi voir, là. Vas-y, là. Voilà, un stock de saumon. Donc, si je comprends bien... C'est le même... Tout ça est périmé. Et alors, la poche est même pas sous vide. Et vous comptiez servir ça? Allez. Sérieusement? On oblige à le faire, quoi, c'est ça? Et puis, vous pouvez pas dire, c'est périmé, on refuse de le servir, et bien vous le servez pas, les gars. Foutez-moi ça à la poubelle. On me fout ça à la poubelle, de suite. Je vais faire du ménage. Oh, mais c'est tout comme ça, c'est... Non. Non, attends. Non, mais je suis pas étonné, hein. Mais c'est quoi? Je suis pas étonné. 22-01-2013, ouais. Du mois de janvier, ouais. Et on est au mois de mars. Tu vas pas garder un truc dans ton frigo périmé. Si t'as un contrôle, bordel, on te ferme la boîte. On la ferme, la boîte. Tu comprends ça? Alors tu prends, tu jettes. Voilà, regarde. Ça, tu jettes. C'est périmé. Tu jettes. Voilà. Poubelle. Parce que moi, ça, je veux pas le voir. Et en plus, vous m'en avez fait bouffer, les mecs. Je vous signale. Vous m'avez fait bouffer des trucs périmés. Bah, il y a encore les œufs aussi. C'est regardez bien. Les œufs aussi. Ils sont périmés aussi? Bah, regardez la date, je sais pas, moi. 3-2. Ouais. Attendez, c'est... Voilà, c'est ça. Et j'ai bouffé des crêpes. Vous avez... me dites pas que vous avez fait des crêpes avec ça? On a fait des crêpes avec ça. Je suis désolé. Vous m'avez fait bouffer des crêpes avec des œufs périmés? Putain, merde! Fous-moi ça à la poubelle, vite. Allez, regarde. Et puis ça, tu sais quoi, ce qu'on va faire. On va le donner à ton patron, puis on va lui foutre au pied ça. Voilà. D'accord, on va lui donner. On avait des œufs déjà pas loin de la date périmée. On avait déjà une bonne quantité. M. Perra nous ramène encore 3 cartons d'œufs de 360. Ça fait 1000 et quelques œufs de plus qui sont périmés. Ça fait plusieurs années, ça fait bien 5-6 ans hein, que j'avais envie de le faire parce que ça, c'est impardonnable pour un cuisinier d'avoir de la marchandise comme ça. J'en ai assez entendu là. Vite, va me le chercher là. Vite qu'on s'explique là. Savoir si je reste ou si je me casse maintenant. Je me sens pas bien. Franchement, je me sens pas bien. Et en fait, c'est la faute du patron. Voilà, voilà, il est là. Ah, il est là. Je confirme ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous avez un gros problème. Oui. Effectivement. Parce que moi, ce que je viens de trouver dans les frigos... Oui. Eh bien déjà, ça va partir à la poubelle. Parce que oui. C'est, tout est là. Oui. Ça va partir à la poubelle. Bon. Parce qu'il y a la moitié des produits qui étaient périmés. Oui. Qui n'étaient pas cette date. Oui. Et le pire dans tout ça, oui. Le pire dans tout ça, c'est qu'on m'en a fait bouffer. Ah. Ah ouais, on m'en a fait bouffer. Qu'est-ce qu'on vous a fait ? On m'a fait manger du saumon périmé. Ah. On m'a fait manger des crêpes faites avec des œufs périmés. D'accord ? Oui. Ça vous étonne ? Ça vous parle ou ça vous parle pas, ça ? Ben, écoutez, effectivement... Oui ou non ? Ça vous parle ou ça vous parle pas ? Naturellement, ça me parle. Naturellement, parce que vous pensez que c'est naturel, en plus. Moi, ce que je constate, c'est que je vais dans des frigos, on m'a fait bouffer de la marchandise périmée, parce qu'en plus, je l'ai senti. Oui. J'ai senti que c'était périmé, d'accord ? Et je vais dans les frigos, alors, il y a la moitié qui a foutu à la poubelle. Alors, je vais vous dire, moi, le saumon d'Écosse, j'en consomme, la preuve, j'en consomme couramment. Et alors... Mais je mange, je suis pas vous. Mais je m'en tape. Mais, mais bouffez-le! Mais prenez-le et bouffez-le! Vous avez tout ça à bouffer! Ah non, mais... Prenez-le et bouffez-le! Non, mais ne le donnez pas à vos clients! Mais le saumon, ça, d'abord, il n'y a pas péril à l'en demeure. Et on est tous d'accord que le saumon d'Écosse, on a tous reconnu, parce qu'on a testé, qu'il est de qualité supérieure. Vous êtes fous! Vous êtes fou. Je suis certainement fou pour tenir une maison comme ça. Ouais, à 71 ans, ah ouais, à 71 non, êtes... ans... Non, mais vous êtes... Monsieur non, mais je suis... Moi, je vais vous dire un truc. Vous avez tout ça à bouffer. Tout ça à bouffer. Alors, vous allez le prendre. Il y a des caisses d'œufs. Vous allez vous faire des crèmes anglaises. Vous allez vous faire des crêpes, des gaufres, tout ce que vous voulez. Et vous allez les bouffer. Est-ce mais que vous pas les autres. Pas moi. Oui, non, mais... Pas moi. Mais vous n'avez pas le droit au niveau où vous êtes. Pas le droit. Mais moi, j'ai pas le droit de manger ça dans un restaurant. Et vous non plus, mais personne n'a le droit. Personne. Mais arrêtez. Vous allez me dire que j'ai tort. Non, mais... Vous allez me dire que j'ai tort, putain. Non, mais est-ce que le saumon est périmé de 2 mois? Mais si, monsieur. Faut que je vous montre. Regardez. Là, c'est autre chose. Venez voir. Alors là, vous trouvez. Là, c'est autre chose. En plus, vous me croyez pas. Ça me parle. Ça fait pas 2 mois, ça. Oui, quand même, hein. C'est pas le pire. Attendez, pas le pire. Non, mais c'est pas 2 mois.
Arrêtez, merde. Ça fait pas deux mois. Ça fait plus d'un mois déjà. C'est déjà trop. C'est vrai que tu paieras le congé, hein. Hé, un petit toast avec un peu de beurre et du citron. Ah, mais ça, je me régale. Eh bien, voilà, je vais vous dire, je me régale. Eh bien, allez-y. La preuve, j'en ai encore pris à midi. Allez-y. D'accord. Allez-y. Quand un saumon est de qualité, on peut effectivement, il y a une certaine tolérance. Voilà. Et personne ne s'est jamais plaint. Maintenant, vous avez assez parlé. Là, vous m'avez fatigué, là. D'accord. Si je suis ici, oui. C'est parce qu'il y a un problème. On est d'accord. Il y a un problème, j'en suis conscient, je le reconnais. Bon, ça, c'est une bonne chose. D'accord. Là, on est d'accord. Alors, vous allez me laisser travailler, oui. Et moi, je vais le résoudre, votre problème. Mais ça va être radical. Il va falloir m'écouter. Évidemment, ça va pas être facile. Attendez, je suis là. Ouais, ouais. Ah, si vous n'avez pas confiance en moi, autant que je me casse de suite. Je vais pas perdre mon temps, monsieur. Parce que résoudre nos problèmes. Je vais pas perdre mon temps. Je suis à l'écoute. Mais résoudre les problèmes de la maison, l'humain de la maison, eh ben, chapeau. Mais j'attends de voir. D'accord, ouais. Voilà. Ouais. Je suis à l'écoute. Alors, est-ce que vous êtes prêt? Justement, je suis à l'écoute. Est-ce que vous êtes prêt à m'écouter? Ben, je suis prêt à vous écouter. Vous êtes prêt à m'écouter? Mais je suis prêt à constater. Hein, voilà. Vous avez bien entendu. Voilà. D'accord. Et si toute l'équipe et la maison est prête à m'écouter. Ah, mais vous allez m'écouter, mais tout le monde va m'écouter, hein, monsieur Pira. Bien sûr. Tout le monde va m'écouter. Dans l'application. Ah, ils vont vous dire oui. Oui, ils sont non, tous, mais. Ils me disent tous oui. Il a fait tomber le masque de monsieur Pira. Pour une réponse simple, il fouille, il baisse les yeux, il change de discours. J'ai l'habitude vous des gens. J'ai l'habitude de voir, oui, d'accord, d'aller dans les établissements et de voir les choses. Mais vous inquiétez pas, pendant un petit moment, je vais pas vous lâcher. D'accord. 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 Et vous viendrez mettre de l'or dans la maison. Pour l'instant, je suis là pour en mettre. D'accord. D'accord. Bon, okay. Et ça va passer par tout le monde, d'accord. Vous compris. D'accord. 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 Ok. Alors sur ce, messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien. Voilà. Alors les œufs, si on en prend pas là-bas, ça y est, ça manque d'œufs, etc. Donc eh bien voilà. Ben voilà. Moi j'aurais bien voulu le voir avant, chef. Hein. Même nous on y est. Pas parano, hein, mais avec tout ce que je viens de voir en bas, je vais aller plus loin. Donc j'ai amené avec moi une lumière noire qui permet de voir les traces invisibles à l'œil nu. Et à mon avis, je suis pas au bout de mes surprises. Grâce à cette lampe, je vais voir toutes les traces organiques mal nettoyées imprégnées dans les tissus. Allez, ça commence bien. Alors là, je m'attendais au pire, mais là, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Ça prouve que c'est pas nettoyé. Et les dessus de ligne ne sont pas lavés. Et je vais coucher là-dedans, moi. Je vais dormir là. Regardez. Je vais poser ma tête là-dessus. Non, hein. Non. Qu'est-ce que c'est? Mais il est hors de question que je dorme là-dedans. Hein. Hors de question. Très honnêtement, je m'attendais au pire. Mais avec ce que j'ai vu, là, j'hallucine. Mais j'en ai pas fini. Je vais aller jeter un œil dans la salle de bain. Oh là. C'est pas possible. Merde qu'il peut y avoir, j'ai jamais vu ça. Qui fait le ménage dans cette maison? Oh là là. Et ça, c'est de la pisse. C'est de la pisse. Ça n'a pas été nettoyé. C'est vraiment dégueulasse. Je vais coucher dans cette chambre. Je vais me laver dans cette salle de bain, moi. Il est malade, ce propriétaire. Salive, crasse, urine. Mais il est hors de question que je me lave là-dedans. Et encore moins que je dorme dans ce lit. Alors, je vous dis pas ce qu'il y a dans le lit. J'ose même pas. Heureusement, j'ai prévu mon duvet. C'est une nuit de merde. J'ai pas arrêté de ressasser tout ce qui s'est passé hier soir. J'ose même pas aller dans la salle de bain. C'est affreux. Allez.
Bon, ce matin, il va falloir mettre Monsieur Pirat face à ses responsabilités. Je suis désolé, mais son hôtel n'est pas digne d'un 3 étoiles. Première étape, le ménage. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va y avoir du sport. Est-ce que je pourrais voir la gouvernante ? C'est moi la gouvernante. Vous faites voiturier, bagagiste, voilà. Et gouvernante ? Voilà. Qu'est-ce que vous faites pas dans la maison ? La réception. Bon, je vous ai vu à la réception hier, il me semble. Ouais, j'ai fait l'accueil de temps en temps, mais il manque plus qu'aller sur l'ordinateur, mais ça, je suis pas compétente pour y aller. Putain, j'hallucine, je rêve. Je vais voir M. Piral avec vous. Moi, on va dans la chambre et on va contrôler. Je vais okay. Vous montrer un petit peu. D'accord. Vous allez le chercher ? Bien sûr. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, ah, bonjour. Ça va ? Je voudrais voir Aïcha avec vous, parce que je peux vous assurer que j'ai fait un contrôle des chambres hier soir avant de dormir. Oui. C'est scandaleux. Ah ben on va voir. On va le faire ensemble. Parce que hier déjà c'était compliqué pour vous expliquer ce qu'il fallait pas faire. Oui. Mais là je vais vous le montrer aussi. Oui, ben volontiers. Et je veux voir quel argument vous allez me trouver et quelle excuse vous allez me trouver encore. Quand Philippe m'a demandé de monter avec Monsieur Perra dans la chambre, je m'attendais bien à ce que Philippe parle de la propreté de la chambre. Moi, quand j'arrive dans une chambre, forcément, la poussière, c'est un truc qui m'obsède un petit peu. Alors, j'ai pas eu à chercher loin, hein. J'ai juste fait ça. Regardez. Regardez ma main, Monsieur Perra. Autrement dit, l'explication, c'est que ça n'a pas été fait systématiquement, méthodiquement. Mais non, c'est voilà. Ça, bien sûr. Ouais, vous me dites des choses. On va faire le tour. Excusez-moi, mais. Hein? Toute cette poussière, toute cette merde, au-dessus de ma tête. OK ? Voilà. Alors, vous voyez, je me suis mis là, je voyais ce truc. Alors, c'est, j'ai pas fait grand-chose, hein, monsieur Pierre, je suis désolé, mais. Alors, ça, c'est dangereux pour le coup, effectivement. Ça cache misère, et là, pour le coup, je pourrais vraiment me blesser. Non, mais là, on est dans un cas particulier. Il n'y a pas... Particulier, pourquoi particulier ? Il n'y a pas X chambres comme ça, non, c'est un cas particulier, effectivement. Alors, dites-moi un truc, si ça, c'est un cas particulier, c'est peut-être un cas isolé encore. Regardez les tâches. Regardez la tâche. Là, j'ai besoin de rien, là. Là, ça se voit, là. J'ai pas dormi dedans, hein. C'est pas moi qui l'ai sali, hein. J'ai tout mis par terre, j'ai mis mon sac de couchage. Je ne voulais pas dormir là-dedans. Ça, c'est normal. Non, mais on va pas faire de commentaires, là. Ça, donc, est-ce que c'est normal, hein. Regardez. Hôtel 3 étoiles, monsieur. Hôtel 3 étoiles. Attendez, alors, je hein? pense... Là, effectivement, alors, mais... Oui, effectivement. C'est bien, vous êtes toujours d'accord avec moi. Le fait que la gouvernante... n'est pas de réponse, c'est peut-être un aveu, un constat de manque de méthode, de manque de rigueur. Si M. Pierre met une gouvernante, c'est pour qu'il s'occupe de ses femmes de chambre, mais ça passe pas. Et ça, la cause de tout ça, c'est le fait que M. Pierre soit là sans arrêt entre moi et les filles, ça fait que j'ai plus mon mot à dire. J'ai laissé faire, j'ai laissé tomber, voilà. Et effectivement, on est dans... Je suis moi-même, évidemment, je vais dire effaré. Bon, plus ou moins étonné parce que ça... Étonné. Ça, je le dis, je le répète, et notre problème, il est là, en fait. Ça commence par une femme de chambre. Alors déjà là, je peux vous dire que moi-même, j'ai enclenché un chantier. On va dire que là, il y a un loupé. Qu'est-ce que vous appelez chantier ? C'est-à-dire qu'on a décidé, de faire la poussière... des bandeaux. Mais ça se fait tout le temps, c'est pas une action particulière. Non, mais, donc ça veut dire que ça, il y a c'est eu quelque un chose qu'on ici. Fait tous les jours. Non, mais il y a un loupé ici. Tous les jours, peut-être pas, il faut mais pas si, passer. Mais si, monsieur Pira, excusez-moi, c'est un travail qu'on fait attendez, au quotidien. Attendez, je pense qu'on va mettre. Attendez, excusez-moi. Attendez, stop. Je ne peux pas continuer dans cette situation-là. Je suis encore chez moi pour l'instant. Il y a des limites. Il y a des limites. Hier soir, ça va. Non, mais aujourd'hui, ça ne va plus. Monsieur Pira. Stop. Mais on stoppe. Tous les deux. Non, mais moi, je... Non, attendez. Monsieur Pira. C'est le vrai Pira que vous avez vu. Ouais. La situation est totalement bloquée. Pour avancer, j'ai besoin de l'avis de Véronique, mon expert. Elle a déjà rencontré Monsieur Pira et son équipe et va pouvoir me donner de précieuses informations sur la situation. Salut, Véro. Bonjour, Philippe. Où vas-tu ?
Ça va et toi? Eh bien, écoute, pas trop mal pour l'instant. Je survis. Je survis, je découvre les lieux, je découvre l'équipe. Et je dois t'avouer que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Ouais. Alors, je vais t'apporter mon analyse. Alors, effectivement, on est dans un environnement magnifique, avec un très bel établissement. Ouais. Le propriétaire, M. Pira, a 71 ans. Ouais. Il tient son établissement depuis 1968. Donc, c'est un monsieur qui a bâti ce lieu et qui, aujourd'hui, a énormément de mal à déléguer. Après, la difficulté, quand on voit la taille d'un établissement comme celui-ci, qui est gigantesque, hein, c'est de savoir déléguer avec des gens de confiance. Et il s'avère qu'il a des équipes à qui il peut faire confiance. Et il a beaucoup de mal à le faire. La gouvernante est là depuis 30 ans, ouais. Le chef de cuisine depuis 17 ans. Enfin, il y a des gens qui sont passionnés par le ouais. lieu, passionnés par ce qu'ils font, et aussi très attachés à M. Pira. Mais à titre anecdotique, il considère qu'en 30 ans d'activité ou en 15 ans, on a encore plein de choses à apprendre, ce qui est sûrement vrai, mais qu'on est encore des stagiaires. Hein. Donc c'est ouais. assez ouais, compliqué. À ce stade-là, ils ne le sont plus. Enfin, voilà, c'est ça. Ouais. De surcroît, il demande de la polyvalence à tout le monde, tout le temps. Donc chacun passe d'un poste à un autre. Et sans maîtrise totale, voilà. Donc ton organisation va lui être très précieuse pour qu'il arrive à comprendre que s'il ne délègue pas, ce sera la perte de son établissement. Il ne pourra pas y arriver. Écoute, je vais tout faire pour que ça rentre bien dans sa tête, en tout ouais. cas, et puis m'occuper de ses équipes parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, ils en sont capables. Besoin. Et ils ouais. en ont envie. Ouais. Ça, c'est important. Je suis d'accord. Je confirme. Bon courage. Puis, merci Véro. Merci Philippe, à bientôt. Ciao. Au revoir. Elle est là, la solution. Le personnel de l'hôtel est fidèle, motivé, mais totalement terrorisé par le patron. Alors s'il ne veut pas les responsabiliser, moi je vais le faire. De toute façon, je peux, puisque M. Pira est toujours enfermé dans son bureau. Bonjour. Bonjour chef. Bonjour Philippe. Tu vas bien? Été. Bonjour Fred, ça va? Je voulais vous voir justement. Je voulais vous voir. Livraison ce matin. Ouais. Enfin, laisse-moi arriver là. Ouais. Laisse-moi arriver parce que je prends des jets toutes les 30 secondes dans la tronche là, ouais. depuis que je suis arrivé. Alors attends. Désolé. On va se poser. Désolé. J'espère que vous avez bien, dormi et puis analysé tout ce que je vous ai dit. Non, mal dormi. Hier soir, mal dormi aussi. Ouais. Bah, comme pas ça, pas dormi beaucoup. Hein. On est tous dans le même lot. Hier, j'ai fini mon service à 1h. J'ai dû m'endormir vers les 2h30. Voilà, 2h30. Puis je me suis réveillé à 4h, à 5h, à 6h. Après, je me suis réveillé toutes les heures, plus ou moins. Je pensais surtout au chef, hein, quand il s'était mis en colère en cuisine. Et puis, surtout dans le frigo avec French, quoi. Je me culpabilise un petit peu parce que le chef nous a mis au courant qu'on était aussi en tort. Quoi. Si jamais il y arrive quelque chose à des clients ou quoi que ce soit, on est responsable aussi. C'est quelque chose que je ne savais pas. Ce matin, je voulais absolument qu'il voie déjà le problème encore, là, que je rencontre. Quoi. Les travaux en cuisine, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Alors la liste, c'est une petite liste que j'ai faite, mais je pourrais la doubler. Hein. Prise courant. Bah, les prises de courant, ça fait 2-3 ans, je demande qu'on la change, elle est cassée là-bas et... C'est dangereux ça. Bah là, il y a... On peut s'électrocuter avec ça. Parfait. Bah si je mets de l'eau dessus, c'est... Je suis foutu quoi. Vous risquez d'empoisonner des gens et en plus vous risquez votre vie. Mais c'est n'importe quoi. Ensuite, on continue. La plonge. La plonge, c'est tout cassé là-bas. Il n'y a pas de plonge. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas de plonge, il n'y a pas d'eau chaude. Pas de machine, et les coulements sont tout cassés, ça tombe tout par terre, dans les pieds. On prend toute la flotte sur les pieds. C'est ouais. le Moyen-Âge. Mais vous avez au moins du produit vaisselle, rassurez-moi, pour nettoyer. Bah, des fois, on n'en a pas. Hein. Des fois, en début d'année, on a interrupteur. Non. Ah si. Arrêtez les mecs là. Ah non. Arrêtez. Non, mais c'est vrai. Non, on n'a pas rien. Vous noircissez le tableau. C'est pas possible. Il n'y a pas de produit vaisselle, il n'y a pas d'eau chaude. Et le bouchon, il tient pas. Le bouchon pour mettre l'eau. Il n'y a pas cette place sur le tableau, pour mettre la liste. J'ai mis les grandes lignes. C'est un tome, là. C'est carrément le tome. C'est 1000 pages. Ah ouais, donc c'est un truc... C'est pas possible. On va prendre un stade, manière. Là, les plaques du fourneau. Brûleur cuisine, ça, c'est ce que j'ai commandé. Ça, c'est ce que j'ai commandé, là. On a commandé ça, ça fait bien 2 ans. Hein. Ouais. Et c'est en commande, soi-disant. On attend. Les brûleurs, c'est pareil. C'était en commande l'an passé. C'est en commande, ça devrait arriver depuis longtemps, mais c'est pas là. Ah, faut pas qu'on ait fait plein de travailler encore dans c'est des conditions pareilles. On est bien obligé. Ouais, ouais. Rebellez-vous! C'est qu'on subit, quoi. Je me suis senti motivé quand le chef nous a dit ça. Il nous a dit il faut se battre, et moi je vais vous pousser, et il faut que vous arriviez. Avec moi, on baisse pas les bras. Hein.
Interdiction, hein. Parce qu'on va y aller au combat. Ça fait du bien d'avoir un gars qui nous pousse pour aller au bout des rêves, quoi. Bon service, et puis à plus tard. Merci, chef. Je suis atterré. Je vais de surprise en surprise et de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Plus j'avance et plus ça se dégrade. Le point positif, c'est que j'ai l'impression que j'ai deux gars avec moi qui ont vraiment envie d'y arriver. Et ça, ça va considérablement m'aider. Alors, on va essayer de reprendre le courage là-dessus. Allez, on va repartir sur les bonnes bases. Hein, Fred ? Et allez. Ça va le faire. Hein ? D'accord ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. La cuisine, ça va marcher. Maintenant, je vais reprendre le travail là où je me suis arrêté ce matin, pendant le ménage. J'ai convoqué Aïcha et les deux femmes de chambre, Natacha et Laurence, pour une petite séance de coaching à ma façon. Bonjour les filles. Vous avez votre matériel, vos petites affaires. Donc, je vais d'abord voir ce que vous faites, comment vous fonctionnez. Et après, si nécessaire, je corrige. Et Aïcha, vous donnez vos directives, comme vous faites d'habitude, voilà. Parce que vous avez une expérience. Voilà. Donc voilà. Alors, on arrive. C'est la femme de chambre. Les filles ont l'air de bonne volonté, mais nettoyer 90 chambres à deux, forcément, elles ne peuvent pas travailler correctement. Et elles oublient l'essentiel. Est-ce que les poussières ont été faites ? Oui. On vérifie. Alors moi, je vérifie les poussières par là. Là, tout ça, voilà. Là, il y a de la poussière, voilà. Donc là, il reste de la poussière. Un petit peu de poussière. Elles n'ont pas été bien faites, là. Voilà. Regarde ce qui se passe. Ouais. Et ça, c'est vraiment pas propre du tout. Et quand je suis entré en maçon, c'est la première chose que j'ai regardée. Et ça, c'est au-dessus de ta tête. C'est vraiment dégueulasse. Et là, Laurence... Eh oui, Laurence. Oui. Non, mais c'est normal. Clair, ouais. C'est la honte. C'est pas bien. C'est honteux. C'est grave. Passons à la salle de bain d'une autre chambre. Natacha a presque terminé. Est-ce que les verres ont été faits ? Oui. Ils ont été lavés avec une éponge ? Avec une éponge. Quelle éponge ? On n'a qu'une seule éponge. Une seule éponge pour tout faire ? Pour tout faire. Il y a une éponge pour tout faire. Et encore. Et vous lavez les verres avec l'éponge qui a servi à laver les sanitaires. Oui. Non, mais ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible non plus. Il faut deux éponges. On peut pas laver des sanitaires, des bidets, des baignoires, des lavabos, et laver les verres où on met la bouche. Déjà une éponge. Avec la même éponge. Il faut pas faire ça. Vous le feriez pas chez vous. Non. Voilà. Eh bien alors, le faites pas ici. Mais on a déjà du mal à avoir une éponge, alors vous imaginez. Eh bien, on va demander deux. On va demander deux éponges, parce que ça, c'est pas possible. On va demander trois s'il faut, parce que ça, c'est pas normal. On va faire un truc. On a parlé de l'importance des sanitaires. D'accord ? Oui. T'es avec moi ? Regardez. Quand une salle de bain n'est pas faite correctement, voilà ce qui se passe. Tout ça, c'est de la crasse. Regardez les toilettes. Regardez ça. Le mur. Regarde ça. Regardez par terre ce qu'il y a. Ouais. Vous savez ce que c'est, ça ? Ouais, c'est de la pisse, hein. Il faut aller chercher plus loin. On peut pas passer à côté de ça. On peut pas. Regardez le lavabo. Regardez le lavabo. C'est vrai, votre réaction, ça fait... Bah oui, c'est choquant, bien sûr. Là, c'était vraiment affreux. Ça m'a fait un choc de voir toutes ces traces dans la salle de bain. J'ai vu la crasse qui était accumulée, j'ai vu l'entretien qui n'était pas fait du tout. Bon, on part de très très loin. Là, je ne vous dis pas l'état des chambres, la poussière qu'il y a partout, l'état des salles de bain, surtout comment elle nettoie les salles de bain avec le même chiffon, les sanitaires, les bidets, la baignoire, le lavabo, le verre à dents. Putain, je me suis lavé avec. Ah, c'est dégueulasse, c'est insupportable. Il faut qu'elle revoie tout leur protocole. Je leur ai préparé des fiches. Tout est marqué, tout est inscrit. Et avec ça, elles ne pourront pas se tromper. Donc ça, c'est pour toi. Je te le donne. Merci. Bon, je vous laisse continuer. Moi, je me sauve. Allez, à plus tard. Allez, travaillez bien. Merci. J'ai senti que Philippe est bien ici pour nous aider à redresser la maison. C'est un petit peu énervant parce qu'on ne sait pas pourquoi on ne savait pas avant. La logique, elle fait que si j'avais réfléchi un petit peu, j'aurais pu le faire beaucoup mieux. Bon, c'est vrai qu'elles ont quelques lacunes, mais elles n'ont pas les moyens à la fois techniques et humains pour bien faire. C'est un peu compliqué, mais ça, c'est mon problème et je vais en discuter avec M. Pira. En attendant, j'ai récupéré tous les couvre-lits parce qu'ils sont dans un état lamentable. Et je vais de suite au pressing pour nettoyer à fond. Allez,
fenêtre. Bonjour madame. Pourriez-vous me rendre un grand service? J'ai besoin de ces dessus de lit assez rapidement. Oui. Alors, je vous explique. Je travaille pour un hôtel en ce moment, un hôtel au-dessus de la colline, là, vous devez sûrement connaître. L'hôtel de Monsieur Pierrat, c'est ça? Exactement, c'est ça. D'accord. Vous connaissez? Oui. Vous avez un petit sourire en coin, là. Bah, je connais l'hôtel de réputation, et parce qu'on travaillait avec eux avant. Et vous le connaissez, Monsieur Pierrat? Oui, personnellement. Oui. De temps en temps, il nous amène des cravates, des costumes. Il est comment? Monsieur Pierrat, il est près de ses sous. Quand il vient là, c'est toujours trop cher. Puis il est attaché à cet hôtel comme à la prunelle de ses yeux, en plus. Sauf qu'il fait rien pour que, Ça s'améliore. Pour que ça s'améliore, non. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie de revenir, ça c'est sûr. Parce que nous, on a des échos quand même, les curistes viennent là, donc ils nous disent on ne reviendra plus. Voilà. Bon, je prends note de tout ça. Pour demain matin? Pour demain matin. Ok. Mmh. Bon, je compte sur vous. Merci beaucoup pour ces renseignements, puis je vous dis à demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Après cette deuxième journée, je commence à comprendre que le directeur de cet hôtel est mon principal problème. Et s'il continue à gérer son établissement comme ça, je ne lui donne plus beaucoup de temps avant de mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe motivée et prête à faire beaucoup pour s'améliorer et sauver l'hôtel. Alors je leur ai tous donné rendez-vous pour dîner et j'ai hâte d'entendre ce qu'ils vont me dire. J'ai pas beaucoup de temps, mais il me reste même pas un quart d'heure, là, 10 minutes. Il faut que je termine absolument mes préparations, là. Vous voulez savoir, avec Fred, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui va nous attendre? Qu'est-ce qui va nous proposer? Je me permets de me mettre à côté du chef. Allez. On est dans une discussion ouverte. Il faut qu'elle soit constructive, forcément. Et je sais pas comment... psychologiquement vous êtes, parce que je vous vois là comme ça, ou alors c'est juste une façade. Vous avez l'air bien. C'est parce qu'on a du caractère, mais on rentre à la maison, on a mal au ventre aussi. Et puis au cours de la nuit ça passe, et puis on revient demain matin. On travaille avec beaucoup de stress, qu'on a beaucoup de pression, on n'est pas libre de nos mouvements, ni de nos paroles, ni de nos actes. Monsieur Pierrat, il est toujours derrière nous. Vous êtes à la cuisine, vous trouvez la cuisine, vous revenez à la réception, ça y est, elle est déjà à la réception. Vous savez qu'il va même fouiller dans les poubelles, hein? Moi, ça m'est combien de fois que ça m'arrivait quand je fais la cafeterie? Pourquoi vous avez jeté le talon de la brioche? Faut le donner là-bas en salle pour que ça passe avec le foie gras? Non. Le micro, là, vous savez, le micro-beurre, c'est genre, ça sert le petit gramme, là, 10 grammes, là. Ouais. Les gens, ils servent. Ils servent. Et après, il faut gratter. Récupérer récupérer le reste du beurre. Eh oui. Pas les beurriers, hein, c'est les petits beurres, alors bon, quand même, c'est pas limite. Hein. Vous devez récupérer les fonds de micro-beurre pour les mettre en ramequin, c'est ça, pour les réutiliser derrière. Dans un hôtel 3 étoiles, vous servez ça? Ouais. Et il a décidé que c'était sa méthode la meilleure. C'est pas la méthode hôtelière, mais c'est la méthode de Monsieur Pierrat. Je suis désolé, Philippe, mais ça, c'est un truc que vous n'avez jamais vu. Moi, on m'achète des grandes bouteilles d'un litre et demi. Tous les jours, il faut que je prenne la bouteille d'un litre, que je re-remplis. Ah oui, il a le coup, hein. Que je re-remplis. Il a pris le coup, hein. Comme ça. Que toutes les bouteilles que je récupère comme ça sur table, je les garde, je les re-remplis, je referme avec le bouchon, je les remets au frais. Et je les resserre et on gagne un demi-litre par bouteille. Et je fais pareil à la nouvelle bouteille qui est sortie, c'est 50 centilitres. Donc ça veut dire que jamais tu ne vas devant le client, tu n'ouvres une bouteille. Ah non, 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 jamais ça. Jamais. Ah non, non, non. Quand j'arrive devant le client, je fais, attendez, je vous loue, parce qu'elles sont un peu dures. Voilà. Et voilà. Moi aussi, je fais ça, parce que j'ai tellement honte. Ouais. Vous n'avez pas le choix. C'est scandaleux. C'est pas normal. Ce qui se passe ici. C'est pas normal. Mais oui, c'est scandaleux. C'est honteux. Désolé Philippe, mais ça c'est un truc que vous n'avez jamais vu. Moi, on m'achète des grandes bouteilles d'un litre et demi. Tous les jours, il faut que je prenne la bouteille d'un litre, que je re-remplis. Ah oui, il a le coup, hein. Que je re-remplis. Il a pris le coup, hein. Comme ça. Que toutes les bouteilles que je récupère comme ça sur table, je les garde, je les re-remplis, je referme avec le bouchon, je les remets au frais et je les resserre. Et on gagne un demi-litre par bouteille. Et je fais pareil à la nouvelle bouteille qui est sortie, c'est 50 centilitres. Donc ça veut dire que jamais tu ne vas devant le client, tu n'ouvres une bouteille. Ah non, 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 jamais ça. Jamais. Ah non, non, non. Quand j'arrive devant le client, je fais, attendez, je vous loue, parce qu'elles sont un peu dures. Voilà. Et voilà. Moi aussi, je fais ça, parce que j'ai tellement honte. Vous n'avez pas le choix. C'est scandaleux. C'est pas normal. Ce qui se passe ici. C'est pas normal. Mais oui, c'est scandaleux. C'est honteux. Le sketch de la bouteille d'eau, c'est pas un sketch, c'est du réel. Au fond de moi,
Ça, j'ai dû mal. Ça fait 5, 6 ans que mon directeur il me fait faire ça. Pour moi, c'est nul. On vous fait faire des choses qui sont inadmissibles. Mais ce que vous m'avez dit, c'est qu'avant, il n'était pas comme ça. Non. Qu'est-ce qui a fait qu'il a basculé? Il n'était pas tout le temps là. Non, il n'était pas tout le temps là. Il avait plus d'activité et donc il ne pouvait pas suivre partout. D'accord. Il a bien compris qu'il fallait que M. Pirat nous laisse un petit peu travailler librement. Parce que là, on ne travaille pas librement. Est-ce qu'il y a des qualités que vous lui attribueriez? Quelque chose, aujourd'hui, de toute façon, qui vous fait rester? Mais la qualité, déjà, c'est qu'il a beaucoup travaillé quand même. Il l'a créé, cette maison. Il fallait déjà faire. Il a beaucoup agrandi. Il a fait beaucoup de choses. En même temps, vous avez de la compassion, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah oui, la compassion. Oui, ça, on a de la compassion. Ouais. Parce que tout simplement, il a réussi à tisser quelque chose entre nous et lui. Mais il a tissé quelque chose, une complicité, je sais pas, il nous prend pour sa famille, pour ses enfants, je sais pas. Monsieur Perras, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un d'humain. C'est comme notre papa, quoi. Comme notre père. Il faut juste qu'il arrive à déléguer. On voudrait que ça change. Il faut qu'on fasse un pas vers l'avenir. On est trop attaché à l'hôtel et à lui-même et à lui aussi. Il a bien compris qui on était. Ouais. C'est clair, vous avez... On a un gros cœur. Vous avez un cœur comme ça. Je pense qu'il a bien compris ça. Énorme. C'est bien de ça qu'il profite. Je ne comprends pas. Comment vous puissiez avoir autant de sympathie et de compassion, oui, voilà, pour quelqu'un qui ne vous le rend pas? Je tombe vraiment des nues, quoi. Moi, j'estime que c'est une belle maison et qu'on a toujours l'espoir que ça va s'améliorer. Qu'il va y avoir... Il va y avoir ça dure. Moi, j'ai toujours l'espoir, moi. Je vis là pour l'avenir. Oui, c'est bien. Et vous avez envie de quoi? Il faut se concerter et il faut en parler et puis faire du changement, faire des nouveaux menus, des produits qui changent un peu, parce que les propositions, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc en fin de compte, moi, ça fait 12 ans que je fais les mêmes propositions. Ah oui. Donc forcément, je me lasse, moi, à travailler les mêmes produits. J'ai encore plus envie de vous aider, parce qu'en même temps, dans tout ce que vous dites, c'est touchant. Avec tout ce qu'on vous fait subir, il n'y a pas de rancune, c'est vraiment... Vous êtes pur. Et vous êtes... Une super belle équipe. Moi, je vais tâcher de lui faire entendre raison sur tout ça, bien évidemment. Je vais essayer de le faire vriller, de le faire basculer. Moi, je vais me battre, mais il faut vous battiez avec moi. Il faut vous me soutenir à 100% dans mes actions et dans mes propos, dans tout ce que je dirai. D'accord? D'accord. Okay. Vous êtes avec moi? Ah ouais. C'est comme un plan. Ouais. Comment on pas là? On serait pas là. On sera là. Bon. Moi, je veux déjà plus que vous partiez déjà. Ouais, non, mais attends. Je suis pas encore parti, Jean-Philippe. Bon, allez, vous avez un service à assurer. Travaillez bien. Et puis, on va y arriver. Oui. D'accord? Vous êtes avec moi? Oui. Ouais. Oui, je sens qu'il y a un petit changement, que tout le monde va se serrer les coudes et on va être plus peut-être solidaires ensemble pour pouvoir travailler. Je pense que oui, ça peut être bénéfique. Le chef, il nous a vraiment soudés, il nous a vraiment donné de confiance. Je pense que M. Philippe va réussir à nous aider. J'ai vraiment rencontré des gens super et je sais qu'ils sont derrière moi. Demain, je m'occupe de M. Pirat et la journée va être intense. Avec un patron qui se mêle de tout, impossible pour l'équipe d'avancer et de travailler correctement. Ils sont tous là depuis au moins 10 ans. Il est temps de leur donner les responsabilités qu'ils méritent et je sais qu'ils en ont envie. Et maintenant, je vais prendre ma douche. Ce que je me demande, c'est si Monsieur Pirat fait confiance à son personnel. J'ai convoqué tout le monde, c'est maintenant qu'on va le savoir. Bonjour tout le monde. Alors, si je vous ai tous réunis là aujourd'hui, c'est pour faire un petit test. J'ai besoin de savoir comment vous fonctionnez, quels sont les responsables de poste, de secteur, dans l'établissement. OK? Alors, j'ai préparé des petites boules comme ça, là. Voilà, ici, que je vais distribuer à chacun d'entre vous. Vous allez devoir déposer devant votre responsable hiérarchique cette boule pour que je comprenne, justement... et que je sache à qui j'ai affaire. Je n'en donne pas à M. Pirat, parce qu'il n'a pas de référent hiérarchique, puisque c'est le patron, d'accord? Donc c'est pour ça que je ne lui en donne pas. Je m'attendais bien à, effectivement, faire le point, une analyse de la situation, entre autres sur l'organisation. Alors, prenez, Laurence, tu prends n'importe quelle couleur,
Jean-Philippe. Laurence, je commence par toi. Tu déposes la boule devant la personne. Tac. OK. Laurence, ta référence à toi, c'est Monsieur Pira. Monsieur Pira. OK, très bien. C'est évident que ce soit tout à fait Monsieur Pira mon responsable, car Aïcha n'a pas le rôle de gouvernante ici dans la maison. Jean-Philippe. Pas réfléchi, hein. Je l'ai posé directement devant lui. Et je pense que tout le monde n'a pas réfléchi et tout le monde l'a posé devant lui, parce que dans la maison, c'est le seul qu'on doit obéir. D'accord, mais il a du travail, Monsieur Pira. Fredge. J'en étais sûr que si tout le monde, ils vont mettre leur boule devant le patron. Aïcha, ça m'aurait étonné que vous allez ailleurs. On ne peut rien faire sans le demander. On vient d'élire le pape. Alors, Monsieur Pira, c'est important ce qui vient de passer. Oui, oui. Toute l'équipe avait compris le but de l'exercice. Apparemment, celui qui n'avait pas compris, c'était Monsieur Pira. Lui, il s'est dit, j'ai tous les galères. En fait, je suis le patron, je suis le meilleur et je suis le plus fort, puisque voilà, je dirige tout. Malheureusement, c'est ça. Pourquoi malheureusement ? C'est mon grand souci, en fait. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez ? Tout naturellement délégué, partagé, bien sûr. Que ces boules-là soient réparties. Tout naturellement, tout logiquement, bien entendu. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes enclin à essayer de mettre en place des chefs de service, des gens responsables pour l'organisation de l'établissement ? Mais ma réponse... Est-ce que vous en avez envie ? Mais attendez, c'est plus qu'une envie, c'est un besoin de survie. Exactement. C'est clair. Exactement. OK. J'essaie en permanence. Ça me va comme réponse. En permanence. Il a menti devant Philippe. Lui, il passe son temps toute la journée à chercher quelque chose qui ne va pas aller et voilà, à mettre la personne en défaut. Mais malheureusement, il faut considérer les résultats. De toute façon, M. Pira, vous voyez bien, les résultats, même avec vous aux commandes, ils ne sont pas bons. Oui ou non ? Mais naturellement, je le dis. Je m'emmerde la vie, effectivement. Ouais, mais actuellement, je m'emmerde la vie. Alors mais que... vous le voulez bien ? Non, je le veux Monsieur pas. Pira, non. J'ai parlé avec tout le monde depuis que je suis là. Ce sont des gens qui sont là depuis des années. Oui, mais qui connaissent la maison, qui sont dévoués à la maison. Oui, pour oui, vous, enfin, accordez-leur ça, merde ! Accordez-leur ça ! Non, mais attendez. Ils sont encore là. Non, mais attendez, on va être carré. Il a eu un choc. Il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que Philippe allait pleurer sur son sort. Et là, il est rentré dans un état pas possible. Donc, il nous regardait tous. Et je sais dans sa tête qu'il se disait sur qui je vais m'attaquer. On avait un séminaire hier. C'est des gens qui viennent régulièrement. Mais pourquoi la facture était fausse hier soir ? Moi, je ne demande pas de faire les factures. Et pourquoi ces factures ne partent pas juste ? Il commençait à embrouiller Philippe, à noyer le poisson, à accuser Claudie. La facture a été correcte hier à midi. Et quand la cliente est partie, elle est passée voir notre collègue Laure. Et elle a dit, d'habitude, on ne me compte jamais le forfait boisson. Laure est nouvelle et elle a supprimé les forfaits boissons. Ce matin, quand Laure est arrivée, je lui ai expliqué. Je lui ai refait faire la facture ce matin. Je me permets de lui répondre ou de lui expliquer le pourquoi des choses, voilà, en étant correct. Par contre, il serait tombé peut-être sur quelqu'un d'autre ou ça ne se serait pas passé comme ceci. Ce client que j'ai essayé d'appeler tout naturellement, Mais pourquoi tout naturellement ? Pourquoi vous l'appelez tout naturellement ? Il y a un dossier qui est traité, c'est elle qui le traite. Pourquoi vous rappelez Mais derrière le client ? C'est pas Claudie qui est en mesure de traiter la preuve. Oui, mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Monsieur Pira. Si on avait un tarif tout établi, voilà, eh bien, on pourrait envoyer nous-mêmes. On n'aurait pas besoin de vous bien déranger, sûr. Monsieur. C'est comme ça que ça se passe. On n'aurait pas besoin de vous déranger. Alors là, il faut savoir si on veut faire du cinéma de je ne sais quoi, on ne peut pas se permettre. Alors là, il y a quelque chose, je vais vous dire. Il est là, notre cancer. Monsieur Pira, ça fait déjà plusieurs années qu'il dit que nous, les anciens, on est le cancer de l'entreprise. Quand j'entends ce mot-là, ça me chagrine. Et c'est vrai que ça, c'est un mot très dur à entendre. C'est moi le con. Mais qu'est-ce que vous faites avec tous ces gens-là, monsieur Pira ? Pourquoi je vous les subis, virez pas monsieur. Pourquoi vous les je virez pas Je vous dis, je subis. Mais virez-les tous. Je subis. Ne subissez pas, monsieur Pira. C'est pas bon de subir. Et j'ai... Virez-les tous.
si tout le monde était compétent, comme on l'entend chez nous, malheureusement, c'est pas ça. La preuve, on en chien. Bon. On en chien, des noms d'un chien. Ok, stop. C'est pas la bonne méthode. On arrête. On se calme. Il continue de se braquer et il les attaque sans voir le mal qu'il fait. Qu'il aille s'occuper de ses factures. C'est quand même dingue. Il est persuadé d'être le seul capable ici. Putain. Bon. Moi, je suis employé ici 5 minutes, hein. 5 minutes, je tiens. Est-ce que vous comprenez quand même pourquoi, en dehors de notre travail, nous sommes obligés, par exemple, ben, Jean-Philippe fait du vélo, moi je fais du yoga, de la réflexologie. Mais si on ne faisait pas ça, est-ce que vous croyez qu'on pourrait tenir? On se barre et on plaque la porte et... Il faut qu'on avance, parce que là, c'est vrai que ça va être très dur, très compliqué. Mais il faut que vous soyez hyper soudés et vous teniez aussi le même discours. Alors par contre, attention, je répète, pas droit à l'erreur. Je pense que ça va peut-être déclencher quelque chose et pour nous, ça nous soulage parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même quelqu'un qui peut lui tenir tête et ça, c'est rare. Bon, ils ont l'air vraiment dépités, mais je vais pas les laisser tomber. Cet après-midi, je vais sortir Monsieur Pirat de son hôtel. Il faut qu'on se retrouve dans un endroit neutre pour parler de la situation. Et j'espère enfin qu'il arrivera à m'écouter. Bon, Monsieur Pirat. On va sortir d'ici un peu, hein. Oui, on va s'éloigner. Ça nous fera du bien, ça me fera du bien. Une petite bouffée d'oxygène, oui, tous les deux. Volontiers. Et puis, je crois qu'on a besoin de discuter tranquillement, oui, dans un autre environnement. Oui. Ça vous va? Volontiers. Allez, hop. Ce matin, j'étais tout à fait prêt, curieux de la découverte, en fait. Et puis, il y avait le petit côté suspense. Après la tempête, le soleil, hein, le beau temps. Hein, donc, c'est pas parce qu'il y a un peu de grêle ou d'orage qu'on est marqué par la pluie. C'est vrai que pour vous, ça doit être une expérience un petit peu nouvelle et délicate. C'est une première, c'est sûr. Oui. Moi, je comprends. Hein, vous savez, quand j'arrive là-dedans, où je mets le doigt là où ça fait mal et puis j'appuie bien. Il faut comprendre, Monsieur Pirat, que c'est pour une prise de conscience. Oui. Non, mais j'entends bien comme ça. Oui. Moi, j'ai pas su faire en temps voulu. Moi, je suis l'artisan. Et voilà, donc je suis prisonnier de mon système. Au lieu de déléguer, de prendre un directeur, une directrice, bon, tout ça, ouais, je l'ai exploité moi-même, ouais, en grande partie. Vous connaissez l'endroit? Non. Non? Première fois, vous venez ici? Non, c'est la première fois que je viens là. Ou alors je suis venu il y a bien longtemps, ça fait peut-être une vingtaine d'années. Ah oui? Oui. Ici, là? Oui, ça fait bien des années où je ne suis pas venu. Vous avez vu ce que j'ai sur la table? Oui. Vous savez ce que c'est, ça? C'est quoi? Je l'ai vu, mais je pense que c'est le livre de la maison. Oui, c'est ça. C'est quelques années du passé. C'est toute votre vie, ça? C'est toute vie, oui, c'est vrai, effectivement. Donc ça a démarré en 68? En 68, effectivement. Après des travaux assez conséquents au rez-de-chaussée. C'est pas une période facile, en plus. On a ouvert en pleine crise, et on avait des clients, d'ailleurs. Ouais, ils annulaient tous. Vous vous rendez compte? Voilà, donc ça commençait bien. Ah, vous savez ce que c'est, alors? Voilà, crises. Oui, effectivement. Et donc, par la suite, donc vous l'avez fait évoluer. On a ouvert avec 11 chambres. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à 90. 90. Et vous le regrettez, ce temps-là? Oh, il y a un peu de nostalgie, oui, c'est sûr. C'est sûr. Vous avez vécu des belles choses. Faut pas le regretter. C'est comme passé, ça. C'est comme ça. C'est des bonnes choses. Des bonnes choses. C'est de bons souvenirs. Vous avez vécu de belles choses. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Bah si, bien sûr. Bien sûr, vous avez fait des belles choses. Ah, et ça, c'était... C'était très symbolique. Non, mais entre ça et maintenant, c'est tellement différent. Tellement différent. Vous le regrettez? Ah, oui.
C'est trop lourd à gérer. C'est trop lourd à gérer pour un homme seul. Pour un homme seul, c'est évident. C'est vrai. Oui. Il y avait un partage, vous comprenez. Ben oui. Il y avait une équipe, là, une véritable équipe. Ben oui. Vous connaissez, vous, le sens de l'équipe. Bien sûr. Hein? Bien sûr. En rugby, on a... Mais bien sûr. Ce qui me touche, ce qui m'émeut, c'est justement que j'ai eu des chefs de service, la preuve, vous voyez. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que, véritablement, vous positionnez différemment. Vous ne pouvez pas rester dans ce schéma-là. Ah mais... Vous ne pouvez pas. Et moi, justement, je suis là pour vous aider à vous poser les bonnes questions et à mettre des choses en place. Oui. Eh bien, écoutez, volontiers, si... On peut encore espérer. Enfin, si je suis là, c'est qu'il y a encore un peu d'espoir. Il faut. Ça, j'aime vous entendre parler comme ça. D'accord. Oui, bien, voyez, écoutez, moi, je suis tout à l'écoute et tout prêt à constater les résultats. Laissez-moi mettre en place un chef de cuisine, un chef de réception, un chef d'étage. Oui. D'accord. Allez, on tape. Allez, voilà. On tape. On tape. D'accord. Eh bien, d'accord. On tape bien dans la main. D'accord. Et on se regarde bien dans les d'accord. yeux. Eh bien, chiche. Ça marche. Votre réaction me fait plaisir. Bon. Mais attention, Monsieur Pirat. Je vais changer des choses que vous avez mis en place. Oui. Il faut en être conscient. Non, mais... Ne repassez pas derrière moi pour changer. Si c'est conforme, si c'est correct. Monsieur Pirat, je fais quoi moi aujourd'hui? Je gère quoi? Un hôtel, restaurant? Ah non mais... D'accord. Donc je sais de quoi je parle. Mais naturellement. Ok. Naturellement. Bon. Naturellement. De tout ça, j'attends des résultats. Et avec des résultats, alors je vais vous dire, je serai certainement le plus heureux. Et puis là je pars en vacances. Là. Allez, ça va. Ça me plaît, ça. Bon. Allez, on y va. Là, on est en train de se geler les pieds. Allez-y, montez dans la voiture. Cet après-midi, il s'est passé quelque chose avec Monsieur Pirat. Non seulement il m'a beaucoup touché, mais en plus, il a décidé de me faire confiance. On aura mis le temps, mais les choses vont enfin pouvoir avancer dans le bon sens. J'ai rendez-vous avec Franck, mon expert, et son équipe pour faire le point sur l'avancée du chantier. Salut Franck. Salut Philippe. Eh ben, il y a déjà du changement, dis donc. Ouais, ça y est, on a attaqué. Hein, pas trop dur? Bah, écoute, non, comme tu peux constater, il y a plutôt une bonne organisation. Maintenant, au niveau des équipements, il y a pas mal de trucs qui étaient en panne. Ah oui, donc, oui. Ils bossaient dans des conditions épouvantables. Hein. Exactement. Donc tu vois, ce qu'on a travaillé surtout, on a ramené un peu de froid ici, là. Ouais. On a bien évidemment changé la friteuse version préinstallée. Ouais. Ouais. Hein, gazette, voilà. Très bien. Bon, ici, il n'y avait rien à dire. Hein. Au niveau de la zone, l'organisation, elle est plutôt fonctionnelle comme cuisine. La problématique qu'on avait, c'est qu'il y avait, 80% des équipements qui ne fonctionnent pas. Donc tout est beau, tout est propre, mais t'as rien qui fonctionne. Absolument. Ouais. Et alors l'essentiel, c'était la plonge. Tu te rappelles? C'était la plonge, voilà. Elle marchait pas la plonge. Voilà. Ici, c'était ici qu'on faisait tout le nettoyage. Il faisait à la main. À la main, à l'eau froide et sans produit de vaisselle parfois. Exactement. Donc on a ramené une plonge à capot. Non, c'est top, super. C'est bien. Génial. Ce qui était assez incohérent, c'est que par rapport au volume de ce qui sort en mode de couvert et puis la salle, ils n'avaient rien pour travailler. Rien, rien. Et ils galéraient? Ils vont être heureux là. Là, je les vois, ils vont être super contents. Bah, attends, l'espace pour travailler, c'est top. Mais tu vois, c'est con parce qu'ils méritent, ils sont plein de bonne volonté, mais ils n'ont pas les moyens de bien travailler. Bon, c'est super. Très bien. Okay. On passe à la salle, tu me montres un petit peu? Ok. Donc là, on est dans une des différentes salles qu'on peut avoir. Ouais. Ce qu'on a souhaité faire ici, c'est avant tout de remettre des coups de peinture. Et voilà, tu vois, on a commencé à mettre des points de couleur qui ressortent un petit peu. Parce qu'on est quand même dans des pièces assez sombres. Ouais. Et puis surtout épuré, parce qu'on avait beaucoup de trucs assez kitsch. Donc l'idée, c'est que tu vois, on a ramené des petites lampes. On va travailler sur des tables de deux. On va rappeler des tendures, tu vois, comme des rideaux. Ah oui, d'accord. Très kitsch. Retrouve... Mais voilà un peu côté un peu anglais. Ouais. D'accord. En tout cas, ce qui est super, c'est que tu as réussi à garder l'identité de la maison, mais en amenant une petite touche moderne et en épurant pas mal les choses. Et ça, c'est bien. Je vais te laisser terminer ton chantier parce que t'as encore du boulot. Exactement. Et moi, j'en ai avec l'équipe. Ok, merci. Merci Franck. À plus tard. Et bon boulot. Ciao. Une grosse journée qui m'attend. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Philippe et à Fredge au marché. On va repenser la carte, retravailler des nouveaux plats, des plats pour les curistes. Et surtout, je veux leur redonner l'envie de prendre cette cuisine en main et de prouver à leur patron qu'ils sont capables de travailler seuls. Je me dépêche un peu, je dis m'attendre, là, ils doivent être très très impatients.
Bonjour chef. Ça va les gars? Bonjour. Ça va bien, ça va bien. Allez, bien. Voilà, je vous sens bien motivé là. Ouais, ouais. Hein, les blocs. Vous êtes à fond là. Ouais, à fond, ouais. Bon. Une belle journée qui s'annonce. C'est bien. C'est une belle journée. Tranquille. Eh bien écoute, j'espère que c'est le début d'un bon commencement. Hier, j'ai fait un pacte avec votre patron. D'accord? Ok. Il va me laisser faire. Ça veut dire qu'il va vous laisser faire aussi. Ok? Ok. Alors, aujourd'hui, je vais m'occuper de vous. Mais je veux savoir une chose qui est importante. Je vous l'ai demandé, mais je vais vous le redemander encore. Est-ce que vous vous sentez capable de gérer la cuisine? Toi, Philippe, en tant que responsable, et toi, Fadj, en tant que second. Maintenant. Est-ce que vous en sentez capable? Parce que moi, je me suis engagé. Moi, je m'engage auprès de votre patron. Par contre, vous, il faut que vous suiviez derrière. Ouais. C'est pas le tout de parler et après de pas continuer. Non, c'est bon. Il faut que je compte sur vous. Pas de problème. Et ce qu'il faut impérativement, être capable de proposer des plats pour les curistes. J'en ai pas vu un seul. Pas un. Alors aujourd'hui, le but d'être ici, justement, c'est d'acheter du bon poisson. Ouais. On va faire des plats légers, justement, qui seront vraiment adaptés pour des gens qui viennent faire des cures. Ah, ok. Ça vous va? Ouais. Très bien. Ce sera le commencement. Ah, mais c'est bien, c'est un bon commencement. C'est mon commencement. Bon, alors ça va. Vous êtes bien, là? On est bien, ouais. Ouais. Après, il n'y a pas de problème. On y va. Gaillard, allez, on va y aller. Venez, les gars. On va acheter le poisson. Ah, ça me réjouit de les voir aussi motivés. Je les sens prêts à prouver à leur patron qu'ils sont capables de diriger une cuisine. Et on va commencer avec les produits locaux. Moi, je suis pas d'ici. Moi, j'aimerais bien vous parler des poissons du coin, justement. Oui. Donc, en ce moment, il y a les poissons qui sont ouverts à la pêche. Ouais. Donc, il y a les salmonidés. Donc, il y a les lavarets. Ouais. La lotte. Ouais. Qui ferme à la fin du mois. D'accord. Et la perche. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait travailler? On pourrait travailler le lavaret, puisque c'est un poisson local et de saison en plus. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est bien. Vous les filetez? Oui, ils sont filetés. Filetés. Donc pour vous, c'est bien ça, je pense. Ouais, c'est bien. Ça vous fait un gain de travail. Ouais. Ça vous évite de le faire. Après, s'il y a un bon cuisinier, lavaret, c'est excellent. Voilà. Bah, j'en ai deux bons là. Ah, bah, c'est bon. J'en ai deux, donc c'est, ça va alors. On va prendre le lavaret. Voilà. On va prendre ça. Ça va, les gars? Ça, c'est super. En règle générale, c'est un poisson que c'était peu cuire. Oui, c'est bien. Ouais. Mais surtout côté peau, surtout. Voilà. C'est fragile côté chair. Voilà, unilatéral. Ouais. Ça y est, Philippe parle enfin comme un vrai cuisinier. Elle va revivre cette cuisine. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. Merci. Au revoir. Bon, je suis super content. Ils ont l'air très motivés et ils ont vraiment envie de reprendre la cuisine et de prouver à leur patron qu'ils sont capables de faire sans lui. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à bosser. Bon, alors les gars, on a parlé tout à l'heure, l'idée c'est de faire des plats de curistes, pour les curistes. Pour ce filet de lavaret poché au bouillon de céleri et pomme granny, il faut du lavaret, du jus de pomme granny, du vin blanc, du poivre, des betteraves et des oignons, des carottes, un bouquet garni, du persil plat, des poireaux et du céleri branche. Franchement, depuis longtemps on a envie de changer la carte. Longtemps. Tu l'épluches, après tu vas tailler ça à la machine à jambon, oui. On va faire des fines tranches et après on va faire une julienne. Toi tu vas me faire justement, tu vas me préparer des rouelles de poireaux, on va cuire à la vapeur. Ça y est, on est dans le vif du sujet avec Fred, il faut tout donner. On va même épater le chef, on va essayer d'épater le chef. Voilà, c'est parfait, impeccable, ça va. Je suis vraiment fier de travailler avec le grand chef, voilà, je veux dire que c'est le grand chef. On commence à trouver notre rythme. Ces deux-là étaient vraiment bridés depuis trop longtemps. Voilà, parfait, impeccable. Je veux bien faire, donc j'écoute vraiment ce qu'il me dit. Tu me prépares les poissons. Alors, le poisson, donc, voilà. Faut que ça soit propre, bien lisse. Absolument, voilà. Absolument. Voilà, faut que ça vienne propre. Parfait. Là, ici, je peux couper en biseau la partie qui est ici, là. Oui. Comme ça. Très bien. Là, pareil. Oui. Je coupe ici. C'est bien, voilà. Regarde. Et la partie ventrale, par contre... Là, il y a quelques arêtes ici, mais... Des arêtes. Des arêtes, ouais. Oui. Ouais, des arêtes. J'ai quoi faire. Oui, j'ai quoi faire. Allez, vas-y.
Plus on avance, plus Philippe me surprend. Quel gâchis de l'avoir obligé à cuisiner des produits périmés. Il reste plus qu'à pocher le poisson. Je te laisse faire. Je l'ai fait. Vas-y. Alors tu vois moi ce que j'aurais fait. Quoi tes peaux? T'as oublié de le faire. Inciser la peau. Eh oui, c'est quelque chose que je fais pas. Incise la peau, ça évite qu'elle se rétracte. Bon, là, on va le cuire à peu près... 3 minutes. 3 minutes, pas 3 plus. Minutes. Pas plus, ouais, pas plus de 3 minutes. Et il ne faut pas que ça boue. Voilà, ça sera cru au cœur et ça sera trop cuit à l'extérieur. Exact, bien, mais voilà. Je m'adresse à des pros. Ouais, non, mais... Pardon, les gars. Ouais, mais bon, j'ai fait mon métier, quoi. Ça prouve que tu as les capacités. Ouais. Venant d'un chef étoilé, ça m'a fait vraiment plaisir. Travailler sur la nouvelle carte s'est avéré être une vraie partie de plaisir, aussi bien pour les garçons que pour moi. Mais attention, il y a un client en salle qu'il va falloir surprendre. Il y a un truc important, il faut étonner votre boss. Et pour mettre toutes les chances de notre côté et convaincre Monsieur Pira, on finit le repas avec un dessert maison, parce que la farandole de pâtisserie industrielle, c'est plus possible. Voilà, parfait, voilà. T'as la bonne technique, Philippe, c'est bien. Bah, c'est bien. Je fais le même mouvement, quoi. Exactement. Voilà, ça suffit. T'as vu? Ouais. Elle est superbe. Le moment que je viens de passer avec eux est extraordinaire. Je les sens vraiment motivés, investis dans leur nouvelle mission. En tout cas, Philippe, c'est l'homme de la situation. Il m'a prouvé qu'il a des capacités techniques et morales pour être chef de cuisine. Après... il ne reste plus qu'à convaincre M. Pierre. Alors, que je vous explique pourquoi vous êtes là, déjà. C'est parce qu'on a travaillé avec Fred et Philippe, tous les trois, des choses légères, simples, mais bonnes. Et les curistes, ils vont s'y retrouver et vous le diront. Oui. Ça, j'en suis sûr. D'accord? Donc... ça, c'est un... une bonne nouvelle. C'est au tour des garçons de jouer. Philippe et Fredge préparent leur poisson en cuisine, pendant que je fais patienter M. Pira. Ce qui est dommage, pourquoi il ne l'a pas fait avant? Parce qu'il avait l'occasion. Parce que... Il est bridé par oui, vous. Oui. Et je vous l'ai expliqué aussi, c'est évident. Oui. Ils sont stressés, ils n'osent plus. Oh. Ils n'osent plus prendre l'initiative, vraiment. Parce qu'ils se disent, on va se faire allumer. Ah oui, oui. Ben... il faut les laisser faire. Prendre du recul, ok, pour aussi que vous soyez, vous, plus performant. On est évidemment d'accord sur tout ce que vous dites. Ah, voilà le futur plat. Voilà le plat. Voilà le plat. Débarrassé. Oui. Aïe. Là, c'est un filet de lavaré poché. Oui. Et le bouillon, c'est une infusion de pommes granny et céleri. Oui. Évidemment, la présentation aussi. J'ai rien fait, hein, M. Pira, vous avez vu. Hein. Tout à fait. Non, mais j'étais là avec vous. Vous faites rien, vous, j'ai bien compris. Non, mais je vais prendre votre exemple. Moi, je vais plus rien faire. Ne partez pas sur les extrêmes. Je ne demande pas de plus rien faire. Soyez pas ironique. Il n'a rien fait, alors. Il n'a rien fait. Monsieur Pira, j'étais là avec vous. On a établi une recette peut-être avec le chef. Mais la cuisson, le reste, c'est tout. C'est naturellement. Qu'avant dresser. Mais vous avez quand même préparé ensemble ce style de recette. Oui, mais vous l'avez quand même réfléchi, potassé. Ah ben, je leur ai donné ma recette. Ah ben voilà, voilà. C'est eux qui l'ont fait. C'est déjà pas mal. Des recettes, il y en a plein. Des recettes, il y en a plein. Bien sûr. Goûtez. Très goûteux. Et voilà, voilà une nouvelle bonne recette. Moi, je suis content que ça vous fasse plaisir. Donc, Philippe, vous avez du pain sur la planche. Oui, j'ai du pain sur la planche, c'est sûr. Le jour où j'ai ça... là, je vous assure que je vais rayonner de joie et de bonheur, vous voyez. Quand je suis arrivé, voilà, parce que pour l'instant, je crains que ce soit un peu, malheureusement, idyllique, théorique, etc. Parce que j'applique. Dans la pratique... Non, mais je vous invite à venir l'appliquer à la maison, mais en permanence. C'est-à-dire être témoin... Non, mais je vous invite. En permanence, vous savez, dans toutes les maisons... Non, parce que cet après-midi, par exemple... J'en ai aussi une maison à gérer, je vous l'ai dit. Donc des conflits, il y en a à gérer. Non mais attendez, moi j'avais pas prévu d'être là à 7h-ci. Vous savez, depuis qu'on travaille, M. Pira, là, depuis ce matin, on bosse. Depuis ce matin, et les gars, depuis ce matin, on bosse pour vous, là. Alors vous allez nous reprocher quoi? Depuis ce matin, on travaille. Non mais attendez, non mais... Pour vous faire ça, pour vous faire plaisir, pour vous faire comprendre qu'ils vont y arriver, qu'ils sont capables. Moi maintenant... D'accord. Alors non, on va plus. Mais si. Non, parce que moi je vais pas. Mais je vais pas sacrifier la maison parce que. Mais vous n'allez pas la sacrifier. Vous êtes en train de la détruire.
Est-ce que vous voulez goûter le dessert? Non, merci. Vous en faites quoi? Non. Ça fait 4 jours que je suis là, essayer de régler votre problème, et vous regardez votre montre. Non mais attendez, mais alors que je me fais chier, moi, j'ai pas de montre, mais pour régler votre problème. Mettez-moi une directrice, là-haut, mettez-moi un directeur. Mettez-moi quelqu'un qui peut me prendre en main, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous me dites? Je suis là pour vous montrer, parce que votre équipe... Laissez-moi finir. Merde. Attendez. Laissez-moi finir. Non, mais attendez, il y a des limites. Vous me coupez à chaque fois. Il y a des limites. D'accord. Alors moi aussi, j'en ai marre. À chaque fois, vous me coupez la parole. Alors. J'essaie de trouver des solutions pour vous. Je me fais un cul comme ça. J'en prends votre équipe. J'essaie de vous sortir de la merde. Et ça vous va pas. Non, on bosse depuis ce matin à vous faire des plats, pour vous faire plaisir, pour vous montrer qu'ils sont capables de faire le boulot. Mais ça va pas. Attendez, qu'est-ce qu'il vous faut? Non, vous m'excusez là. Vous mais m'excusez. C'est moi qu'il faut excuser. Non, vous m'excusez. C'est moi qu'il faut excuser. Vous parce m'excusez. Que je me fais chier. Non, vous m'excusez. Oh. Non, vous m'excusez. Vous voulez goûter le dessert, monsieur Piron? Je remonte chez moi. Je dois rentrer. Parce que là, vous voyez, j'avais pas prévu une telle. C'est sûr. J'attends les résultats, c'est tout, vous savez. Je suis un peu comme Saint Thomas maintenant. Ce que j'ai vécu hier soir dépasse tout ce que j'avais imaginé. C'est comme s'il ne prenait pas au sérieux tout le boulot qu'on a fait avec son personnel depuis 4 jours. Ce matin, j'ai rappelé Franck et Véronique pour convaincre Monsieur Pirat qu'on peut y arriver. Mais si on échoue, on aura fait tout ça pour rien. C'est où ? Merci. Monsieur Pirat. Bonjour. Monsieur Pirat, bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour, Monsieur Pirat. Vous allez bien ? Aussi ? Oui, très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Bien. Bonjour, Monsieur Pirat. Bonjour, Philippe. Ça va ? Assez, ça va bien. Je vous en prie. Depuis le début, j'ai le sentiment que vous êtes inquiet sur ce qui va se passer après mon départ. Vous vous posez bien des questions. J'ai quand même ce bateau en responsabilité. Alors, voilà. Je le comprends. Je comprends votre inquiétude. C'est pour ça, oui. D'ailleurs, que j'ai amené avec moi Franck et Véronique, mes experts, qui vont vous expliquer comment nous fonctionnons. Effectivement, nous sommes ces experts. Une fois que la mission de Philippe sera terminée dans votre établissement, il est évident que vous ne serez pas seul. On va continuer l'histoire, si vous voulez, on ne va pas vous laisser. À chaque moment que vous aurez besoin, à chaque étape, on sera présent. Et s'il faut qu'on se déplace, on se redéplacera. L'idée, c'est surtout pas de faire vraiment, voilà, de s'arrêter. Ça me paraît indispensable, effectivement. Alors, me voilà rassuré, alors. Alors, autrement dit... Eh bien, ça fait plaisir de vous l'entendre. Vous voyez que je vais déléguer, alors je vous dis tout de suite, avec l'appui sur le plan humain, parce que là, pour déléguer et faire appliquer les consignes, là, j'ai besoin d'aide. Ouais. Et là, je vous assure, vous aurez du pain sur la planche. Hein. Enfin, c'est pour ça que je suis là aussi, mais pour dégrossir tout ça. Voilà. Notre ambition, elle est la réussite de votre établissement, oui. De par la compétence de Philippe. Oui. Donc, Philippe... écrit la ligne à suivre, oui. Et nous serons en charge de nous assurer que vous la respectez et que vous mettez en place ce qu'il faut pour que ça puisse aboutir. Très bien. Ce sera notre rôle. Votre envie de déléguer, c'est parfait. Ah mais c'est plus qu'une envie, mais essentiel. C'est nécessaire. Ça. Monsieur Pirat, moi je suis ravi, je suis content de vous savoir rassuré maintenant. Oui. Par rapport à ce petit complément d'information. Je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir, ciao. Philippe. Au revoir, Philippe. C'est mon dernier jour et c'est vrai que pour une première expérience dans un hôtel, ça a été rock'n'roll. C'était intense et sportif. Monsieur Pirat avait la tête dure, mais j'étais plus dur que lui. Je crois qu'il a entendu quand même pas mal de choses. Alors maintenant, je vais faire découvrir la nouvelle décoration à toute l'équipe et à Monsieur Pirat et j'espère que ça va leur plaire. Ce moment d'avant-découverte, c'était un bon esprit, c'était une ambiance de famille, en fait. Hein. J'ai jamais vu une équipe comme ça. On était tous ensemble, contents, épanouis, tout. L'entrée royale. C'est ça. Voilà. L'entrée royale avec le roi qui attend. Hein, c'est voilà. Ça. C'est beau, hein.
ça donne envie d'entrer. Hein. Ah oui, bah oui. Vraiment. Ça fait plaisir d'entendre ça de votre bouche, monsieur Pirat. Je suis très, très honoré. Je vous avouerai que là. Bon, on continue la visite. Pour l'instant, ça vous va, monsieur Pirat. Dites-le, hein, si. Ça va très bien. Mais alors, il faudra afficher une quatrième étoile, la troisième. Ah, voilà, super. Vous emballez pas. Vous emballez pas. Tout de suite. Il y a du progrès, mais. Et j'espère pour vous, du fond du cœur, j'espère pour vous que ça arrivera. Bon, écoutez, on va essayer. Suivez-moi. Allez, on y va. Ah oui. Ah oui. Oh là là, oui. Un petit peu changé. C'est classe. On a éclairci. Oh là là, oui. C'est très beau. Oui, oui. Très, très beau. Magnifique. Super. Bravo. Hein. Est-ce que ça vous plaît, monsieur Pirat? Ah, ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je peux pas. C'est plus que plaire, c'est vraiment... Ils n'ouvrent pas la cheminée, ça, c'est vous avez vu. Éblouissant. La cheminée, on l'a juste un petit peu relooké. Oui, 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 oui. Wow, c'est beau. Oui. On a épuré un peu. Hein. Jean-Philippe, moi, je voudrais avoir ton avis, parce que c'est toi qui vas évoluer ici, quand même. Bah, moi, c'est... Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est extraordinaire, parce que c'est ma deuxième maison, bien sûr. Je suis là 10 heures par jour. Et franchement, je pense que le client, il va apprécier. Ça te plaît? Ah ouais, hein? Super. Je pensais à... Un petit changement, mais autant... Non, je pensais pas. Je pensais pas que la table allait changer autant. Bien, parfait, félicitations. Je pense que ça va faire du bien. C'est sûr. À tout le monde, à la clientèle et à nous-mêmes. On va aller voir la véranda maintenant. Ah. Venez voir, rentrez. Ah, moi, je fais pas. C'est classe. C'est classe. Tip-top. C'est pas joli, ça? Magnifique. Hein? Magnifique. Oui. On a travaillé dur, hein. On a travaillé dur, hein. Regardez la vision. Dégagé, clair. On a l'impression de manger dehors, là, d'être dans le jardin. Tout de suite, quand je suis rentrée, j'avais envie de m'asseoir à une table. C'était un autre restaurant. Asseyez-vous. Ça, c'est notre récompense. C'était pas Stéphane. Allez, oh, regardez. Des vraies cartes de menu. Regarde. Plus des chiffons, dit. J'ai des nouvelles cartes et ça va être un renouveau dans la maison et c'est vraiment ça va faire du bien. C'est plus que bien, c'est plus que bien, évidemment. Vas-y, hein, pour m'en faire des compliments, hein, oui, parce que j'en ai pas eu beaucoup cette semaine. Oui. Hein? Non, non, mais c'est sincère. Vraiment, c'est très très bien. Voilà. Très, très bien. Philippe Frege et Monsieur Pirat, je vous tous les trois avec moi. Merci. Alors, on a changé quelques petits trucs. Oula. Ah, il n'a pas vu le... Oh, ah oui. Là, qu'est-ce que c'est, les gars? Un four. Ouais. Alors là, tout neuf. Et là, il est beau, celui-là. Tout neuf. D'accord. Oui. Ensuite, des plaques induction. On a réparé vos feux. Ils marchent. Bien, les trois fonctionnent. Donc là, vous allez avoir une zone de chaud. Parfaite. Ces nouveaux équipements vont forcément leur donner des moyens pour faire de nouvelles choses. Donc, c'est très positif. Et je pense que tout ça, ça va vous donner aussi des idées nouvelles. Hein, de travailler dans un environnement justement qui vous sera favorable, ça va vous dégager l'esprit et vous permettre de créer des nouveaux plats, de changer votre carte régulièrement, comme je vous l'ai demandé. On vous a réparé quelque chose? Non, on a fait plus que la réparer, parce qu'on l'a changé. C'est la plonge. Oui. D'accord. Vous avez une nouvelle plonge, nouvelle machine à verre, tout a été refait. C'est vraiment, c'est Noël avant Noël. Je suis un gamin quand j'ai vu ça. J'étais vraiment heureux et content. Petit cadeau. Oh là. Ça c'est gentil, chef. En mon bon souvenir. Oui, voilà. Merci, chef. Merci beaucoup. Fredge. Merci. Et Philippe. De beaux tabliers. Impeccable. Vous penserez à moi. Oui, là, vous c'est la sûr. Mise, hein. Merci beaucoup. Ça, c'est plaisir. Très beau. Ça, c'est le petit cadeau personnel de M. Philippe. Et je le remercie beaucoup. Je vais le garder toute ma vie comme souvenir. C'est vrai que ça nous a fait sentir responsables dans notre cuisine parce qu'on s'est dit, ça y est, il nous passe le flambeau, il faut qu'on assure derrière. Tout ce qu'il a fait, il ne faut pas le décevoir.
On va à la découverte. Hein? Alors, j'ai deux petites choses à vous montrer. Deux. Allez, venez. La première. Ben voilà, oh là là. Eh ben. Un char d'assaut. C'est lourd, ça. Ouais. Là, vous avez tout. Eh oui, sur moi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pratique, c'est professionnel. C'est, voilà. Ça, c'est un vrai chariot des femmes de chambre expérimentées. Maintenant, nous allons pouvoir bien nettoyer les chambres et suivre bien le protocole correctement. Des torchons avec les couleurs différentes. Voilà. Regarde, pour la poussière, les verres, tout ça. Les verres, voilà, les serpillères. Ouais. Des torchons pour les verres, rien que pour les verres. Et pour le reste, pour les meubles, voilà. On a tout répertorié, tout compartimenté. Ça vous permettra d'être efficace, d'être plus rapide forcément et de gagner du temps. Bon, alors, deuxième surprise. Attention, allez, venez, suivez-moi. Ouais. Vous vous souvenez la fameuse chambre 7? Oh bah oui. C'est là où j'ai dormi. Oui, oui, oui. C'est là où j'ai eu quelques... Le droit déchiré. J'ai passé quelques nuits difficiles, oui. Longues et agitées. Hein? Bon, vous êtes prêtes? Ouais. Sûr, hein? Sûr. Oui, on y va. Allez. C'est allez. Parti. Vas-y, c'est parti. Allez-y. Wow. Oh, la classe. Le lit, il est parfait. Ah, c'est classe. Hein. Oh, ah oui. Alors, vos impressions? C'est le jour et la nuit. Bon, oui, oui. Ah, oui. Le placard. Ça fait des chambres plus grandes aussi. Ah, ouais, c'est lumineux, c'est ouais. Plus... Pourtant, on n'a pas touché au mur, hein. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une chambre un petit peu plus spacieuse. Plus spacieuse, c'est vrai, parce que tout ce qui est clair, plus ça fait plus grandir. Plus facile à nettoyer. Ça fait. Parce que c'est plus un grand. C'est attaché, elle a tout compris là aussi. Facilité de travail. Tac tac, c'est fini. C'est génial. Rien qu'avoir du bon matériel, ça donne envie de travailler. Ça donne envie de finir. Vraiment, même avec les heures supplémentaires, on s'en fout. Mais le travail est bien fait et le lendemain... Voilà, il y a la satisfaction d'avoir fait du bon boulot. Bon boulot, voilà. C'est bien ça. La nouvelle chambre, elle était magnifique. Elle est vraiment belle. On a encore une partie de la chambre à voir, c'est la salle de bain. Allez, on y va. Wow. C'est beau. Oh là, bah oui, c'est tout habillé, hein, regarde. Il n'y a plus de blanc, c'est bon. Et la faïence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le nettoyer quand même. C'est beau. Ah ouais, c'est beau, c'est bien. C'est très joli, ouais. Très joli, c'est pratique, c'est... Ouais. C'est magnifique, mais c'est excellent. En tout cas, nous, c'est un changement. C'est l'essentiel dans tout ça, c'est le changement. Et c'est positif, positif pour tout le monde. On va mettre le tablier pour marquer M. Fredo. Allez, il est beau comme des gosses, ça. Allez, c'est parti. Bon. J'étais très fier, quoi, surtout avec M. Perra. Quoi. J'étais content qu'il voie le travail qu'on avait fait. C'est parti, c'est lancé. Quoi. Dans la lancée, je pense que ça va marcher. Vous voulez passer au chalumeau ? Quel plaisir de voir les garçons pleins d'enthousiasme et remonter à bloc comme ça, mais c'est formidable. Bonjour, merci d'être venu. T'as vu comme ça change ? Là, je vous montre un peu. T'as vu ? Des assiettes ? Il y a de nouvelles assiettes. Ouais. Hein, parce que nouveau dressage, nouvelle configuration. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de quoi, voilà. C'est léger, ça va être aéré. Ça va être aéré. Exactement. Ouais, la verrerie aussi. Hein. T'as mis des jolis verres. C'est beau verre de dégustation, ça. Très bien. Super. D'accord ? Ouais. Super. Ça vous plaît, tout ça ? Merci, chef. Les assiettes changées, blanches, sans dessin. Je trouve que c'est plus classe quand on a quelque chose dans l'assiette.
il faut que vous mettiez la manière. Et vous l'avez dit, vous l'avez avoué, vous êtes peut-être mal pris. Alors, il est toujours temps de rectifier le tir. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette maison, que vous tenez à cette maison pour que ça ne puisse pas marcher. Vous êtes tous soudés et solidaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Bon sang. Et j'en fais des restaurants, hein. J'en fais des paquets et des paquets, hein. Je peux vous le dire. Hein. Et c'est bien la première fois que je vois une équipe comme ça, avec autant d'années d'expérience dans la même maison, avec autant d'amour de la maison. Et puis surtout, alors, merci évidemment du fond du cœur pour cette première étape. C'est évident, je ne peux être que reconnaissant. C'est con. Mais... Le plus dur reste à faire. Je suppose qu'avec toute cette semaine, il s'est rendu compte que peut-être à des moments, il est allé trop loin avec nous. C'est comme si M. Perrin nous présentait des excuses auprès de tout le personnel. C'est ce que j'ai ressenti. Je suis tout prêt à les soutenir et surtout à leur donner les moyens d'y arriver. J'ai fini mon travail, j'ai fini ma mission. Je crois que j'ai été très clair avec tout le monde. Maintenant, à vous de jouer. L'avenir de cet hôtel est entre vos mains. Vous êtes une super équipe et je vous souhaite bonne chance, bon vent merci. Et bon courage merci à tous. Merci, chef. Je vous adore. Au revoir. Merci. Je compte sur vous. À bientôt, ouais. Je compte sur vous. Merci, à bientôt. Je crois que si c'était à refaire, je referais. C'est quand même une aventure exceptionnelle. C'est certainement un nouveau départ. Enfin, je l'espère en tout cas.